Et bonsoir à tous, bonsoir, ici Cléa Sim, on se retrouve pour un nouveau live sur GTRP avec notre petit Rico. Bon, je suis plutôt fatigué ce soir, vous l'avoue. On va tranquillement jouer, il n'y a pas de souci. Mais il faudra juste que je prenne un peu soin de moi et que je ne me pousse pas trop, donc on va le faire tranquillement. On a pas mal de choses, c'est bien. 16h30. Je vais essayer d'appeler cette personne. Allô, oui? Oui, bonsoir, Rico Narvaez, président de la Fondation Collins. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Vous avez essayé de me joindre en début d'après-midi pour avoir des informations concernant la fondation. Est-ce qu'on vous a Tout à expliqué un fait. petit peu ce que c'était ou pas du tout? Oui, j'ai fait le tour des mairies, de tout ça, donc. D'accord, ils vous ont fait un petit topo. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, au niveau des aides, est-ce que vous avez une idée de ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez pu déjà commencer à passer les permis? Est-ce que vous en êtes où à peu près au niveau de vos questionnements, de ce que vous souhaitez faire? Bon, j'en suis à pas grand chose parce que du coup j'en suis je fais 5 heures que je suis là donc j'ai pas voilà je pense qu'il va falloir que je passe le permis voiture assez rapidement. Oh bah ça, je peux. Si vous êtes disponible, je peux vous aider tout de suite. Bah là pour ce soir non parce que je vais pas tarder Ah, à aller manger. oui, bien Du sûr, coup le repas est important, vous avez bien raison. c'est mieux oui. Ça sert à quelque chose, il paraît. Tout à fait. Y a pas de souci, y a pas de souci. De toute façon, vous êtes disponible ce soir, sinon? Ce soir, je pense pas parce que le temps de manger, je crois que sur la route ça va être compliqué. D'accord, oui, y a pas de souci. Peut-être tard, mais voilà. Ouais, y a pas de souci. Vous êtes disponible comment, généralement? Souvent après-midi, le soir, ça dépend à quelle heure je peux prendre la route. D'accord. Alors attendez, j'ai noté parce que aussi bien ce sera pas moi qui prendra la suite. Je vais faire disponible l'après-midi. Et parfois le soir, c'est ça? Ok. Dans l'idée, vous seriez donc plus pour les permis. À savoir que actuellement, les permis, on va dire prioritaires pour pouvoir travailler, sont le permis voiture et le permis camion. Le permis moto est en plus un permis tourisme, mais de toute façon, on en profitera pour vous le faire passer comme ça. Une fois que vous l'avez, il n'y a plus de souci. Donc à ce niveau-là, la fondation vous paye le permis directement. Toutes les tentatives, D'accord, ah oui, ok. si vous avez besoin de retenter 5-6 fois, bon, ça m'étonnerait. Oui, mais c'est l'heure du premier coup, c'est mieux quand même. Ben voilà. Après, c'est surtout qu'il y a certains permis qui sont plus simples que d'autres. Mettons le permis Ouais. voiture, ça sera assez simple. Normalement simple de l'avoir. Si vous l'avez pas, c'est que vous aurez fait une petite erreur de débutant, comme on dit. Et après, ce sera une erreur qui vous permettra d'apprendre pour les permis suivants. Donc, D'accord. en soi, c'est pas un souci.
Le plus compliqué étant le permis camion qui prend le plus de temps. Si je donne des temps à peu près en moyenne, hein, le permis voiture c'est un quart d'heure, enfin, souvent D'accord. moins. Le permis moto c'est une petite vingtaine de minutes. Et le permis camion c'est entre 30 minutes et 1 heure. Ah oui, quand même, oui. Donc c'est pour ça que au moins que vous ayez le permis voiture pour pouvoir travailler au Pôle emploi et notamment au métier de BTP. Qui est un métier qui paye assez bien. L'autre métier qui paye pas mal, c'est aussi la scierie, quand vous venez d'arriver. Mais lui, il demande le permis camion. Donc D'accord, forcément, ça peut être un peu plus compliqué, on va dire. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point qui pourrait vous aider, je suppose, c'est le logement. Alors, je vous fais vite fait le topo pour le logement. Grosso modo, on vous fait un prêt à taux zéro de 25 000 dollars. d'accord. Vous n'avez que la moitié de la somme à rembourser, donc 12 500. D'accord, ok. Et par contre, on vous impose qu'une seule chose, c'est de trouver un colocataire. Alors, il y a deux Ok. raisons à ça, hein, c'est que si on veut loger un maximum de personnes, vu que les chambres de motel ne sont pas illimitées, eh ben, c'est mieux de mettre deux personnes par logement. Et puis, ça permet également de rediviser encore les remboursements par deux. D'accord, ouais, bah oui, logique. Forcément. Par contre, on ne vous impose pas de colocataire. Donc, ce qu'on peut faire, on a plusieurs possibilités. Soit vous venez, si vous en avez la possibilité, mercredi soir à 21 h en 71-95. Oh, j'ai vu qu'il y avait des collectes. Voilà, on organise une Ok. distribution de boissons, de nourriture et de médicaments. Donc, ça aussi, c'est des aides de la fondation qui sont assez courantes. Ça permet également de rencontrer d'autres personnes pour pouvoir discuter avec d'autres nouveaux arrivants, etc. Et plutôt que de devoir les appeler, planifier un rendez-vous, etc., bah, ça permet de les rencontrer directement. On vous fait parvenir quelques numéros de téléphone de personnes qui acceptent de partager leur numéro et qui cherchent également des colocataires. Donc là, c'est à vous de prendre contact avec eux, de voir s'ils vous conviennent en tant que colocataire. Et après, vous nous recontactez derrière en disant, je vais être en colocation avec telle personne, voici son numéro de téléphone. Dans ces cas-là, on vous fournira le prêt. Vous allez acheter l'appartement en question, vous faites rentrer la personne en tant que colocataire, et après, il faudra juste nous donner le code ZIP et le numéro de chambre. Dans D'accord. ces cas-là, on vous dira quels sont les motels qui sont disponibles en ville à ce moment-là, pour vous aider dans vos recherches. Soit vous rapprocher de votre travail, soit en tout cas trouver un coin qui vous permette par la suite de pouvoir évoluer peut-être plus facilement sur vos objectifs. D'accord, ok. Voilà. Le tout après, c'est que dès qu'on fait un prêt, il n'y a pas de date de remboursement. Vous remboursez quand vous êtes avec des revenus qui sont suffisamment réguliers pour pas vous mettre dans le rouge. On est vraiment pour vous aider. Donc si au bout D'accord, d'un c'est vraiment bien. voilà, si au bout d'un certain moment on voit que vous n'avez pas remboursé, on vous rappellera. Mais pour savoir si vous avez des soucis, quels sont les moyens de vous aider, etc. Oui, voilà, vous venez pas avec une batte de baseball pour venir récupérer, quoi. Si, mais ça on vous le dit pas en fait. Ça, c'est après, ça. Voilà, ça c'est après. Ok. Voilà. Voilà, l'idée c'est de pouvoir vous donner un petit coup de pouce, pas vous non plus trop vous tenir la main, vous responsabiliser et puis vous laisser faire votre vie comme toute personne qui arrive sur l'île, qui apprend à connaître son nouvel environnement. D'accord, ouais, très bien. Après ça, si vous avez vos permis et un petit logement, on peut aussi voir dans ces cas-là pour vous proposer un premier véhicule. Alors, on fait ça aussi par un système de prêt où on vous fournit la moitié du prix du véhicule pour des véhicules allant jusqu'à 20 000 dollars. Et quel que soit D'accord. le lieu d'achat, ça peut être au concessionnaire, ça peut être aux Zombicar qui vend des véhicules d'occasion, donc moins cher que le concessionnaire, ça peut être un particulier. Mais généralement, on part du principe que le maximum du prix pour un véhicule, c'est 20 000 dollars. Comme ça, nous, notre aide D'accord. maximale s'arrête à 10 000 dollars. Alors après, si vous trouvez un véhicule à 22, 23 000 dollars, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, de ce côté-là, Oui, faut pas abuser non plus, voilà. quoi. Mais nous, notre aide s'arrêtera dans tous les cas à 10 000 dollars. Donc c'est-à-dire D'accord, ok. que si vous êtes au-dessus de 20 000 dollars, ça sera à vous d'apporter un peu plus. Voilà. On a aussi parfois des véhicules qui sont donnés par des donateurs. Là, ça peut. Voilà, on a quelques véhicules actuellement. On a une moto, on a un ou deux véhicules aussi de disponibles. Donc, c'est un peu après, si des véhicules vous intéressent. Parfois, on a aussi quelques véhicules qui nous sont donnés où la personne, en tout cas, va faire beaucoup moins cher que ce qu'elle ferait habituellement.
Par exemple, actuellement, on a un outlaw, la personne voudrait le vendre à 10 000 dollars, par exemple. Alors qu'un outlaw, prix concessionnaire, on est plus sur du 40 000, 50 000 dollars. D'accord, oui, intéressant quoi. Donc, si on fait le prêt, bah, nous, on prend 5 000 dollars pour nous, via le prêt, et vous avez plus qu'à apporter la moitié de la somme, par exemple. Ça peut être. D'accord. Alors, l'outlaw, si vous ne connaissez pas, c'est un petit off-road, un peu style buggy, Ouais. qui rebondit pas mal. D'accord. Faut faire un petit peu attention. Très intéressant, ça grimpe de partout, mais si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, vous pouvez vite vous retrouver sur le toit, sur le côté. D'accord. Mais c'est un petit véhicule qui est intéressant, il ne monte pas plus de 150 km/h, donc c'est pas un véhicule pour faire de la vitesse. Mais par Ouais, contre, c'est un petit off-road. c'est un off-road bien ce qui est plus marrant. J'en ai un, je peux vous amuser, je m'amuse bien avec. C'est D'accord. pas un souci. Je retire. On Ok. a aussi par exemple une moto actuellement aussi, une Vader. Elle serait donnée par exemple. Donc voilà, si vous êtes motard ou autre, vous voyez, on peut trouver des véhicules qui peuvent être intéressants, vous proposer ou vous conseiller sur certains véhicules, ou vous diriger vers des personnes qui connaissent, en fonction de ce que vous souhaitez. Mais ça sera après les permis, bien sûr, Ouais, pour bah permettre d'être. Quand vous serez déjà un petit peu plus autonome, on va dire. d'accord, ok. Autre aide que l'on peut faire, c'est vraiment si. Bon, on verra ça peut-être un peu plus tard, mais. Ou pour la prochaine bénévole que vous croiserez. On peut vous fournir de l'argent également pour obtenir un sac, très utile pour pouvoir travailler. Ça vous permet de porter 15 kilos supplémentaires. Ouais. Un jerrycan d'essence pour éviter de tomber en panne sèche. Et Oui, qui c'est peut vrai. être utile notamment aussi pour le permis camion. Ça, on vous expliquera le pourquoi du comment quand vous passerez le permis camion, vous inquiétez pas. On peut également vous aider à sortir votre véhicule de la fourrière. Puisqu'il faut savoir que si vous éloignez trop de votre véhicule, ou si jamais vous avez un mal de crâne, et que les forces de l'ordre secondaires passent, elles peuvent considérer votre véhicule comme abandonné. Donc elles vont l'emmener directement à la fourrière. D'accord. Et la fourrière, ben, le temps de gardiennage est payant. Et Ah, super. plus vous laissez votre véhicule, plus c'est cher. Logique. Et on a déjà eu le cas de nouveaux arrivants qui ont dû sortir 15 000, 20 000, 30 000 dollars, voire parfois plus, parce que ben, le temps qu'ils travaillent pour essayer de trouver l'argent pour sortir leur véhicule, et ben, la valeur était montée. Donc en fait, ils étaient toujours à parcourir une somme qui est montée de plus en plus. Donc nous, on peut D'accord. vous aider jusqu'à 10 000 dollars. Ce qui fait déjà un appoint. On va considérer que ça fait 5-6 jours que votre véhicule est à la fourrière quand même. Donc ça peut être toujours intéressant pour vous. Et après, en type d'aide, alors là on n'est plus vraiment sur du nouvel arrivant, mais c'est de l'aide que l'on propose sur toute l'île. Ça va être pour le passage des diplômes, notamment pour pouvoir travailler dans certaines entreprises, enfin les entreprises privées et publiques, et notamment passer au Ouais. stade de CDI. Il faut, d'après la loi, avoir un diplôme associé, sinon vous êtes hors la loi, tout simplement. Et on peut vous aider également pour certains permis spécifiques liés à un emploi. Alors par exemple, vous voulez travailler au Jigling, qui est une entreprise de pêche, et ben on vous aidera à passer le permis bateau, par exemple. D'accord, ouais, c'est oui. Si vous voulez travailler dans les forces de l'ordre, ben, par exemple, le permis moto déjà. Bon, ça sera de toute façon vous l'aurez, mais par exemple, ben, si vous voulez être pilote d'hélicoptère, vous fera le diplôme associé. D'accord. Voilà. Vous voulez être chez les médecins, ben, des fois avoir le permis hélicoptère, ça peut aider aussi. Voilà, ça peut être pour des plans de carrière, parfois même en auto-entreprise, voilà, ou en micro-entreprise. On essaye d'aider pour que justement les personnes puissent se développer, développer leurs affaires et progresser. D'accord, Et ok, après, ouais, bah, de toute ça façon, complet. si plus tard dans votre vie sur l'île, vous avez des galères qui arrivent, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Et après, soit on vous met en contact avec d'autres associations qui sont plus à même de vous aider. Soit on essaie de trouver des solutions pour vous fournir un coup de main, voilà. En fonction de nos moyens et de ce que l'on fait habituellement. D'accord, ok. Bon, c'est assez complet tout ça. Voilà. Ok, Donc ce impeccable. que je peux faire, c'est dans un premier temps, je peux vous envoyer, ben, si vous acceptez déjà de fournir votre numéro de téléphone, je pourrais le fournir à d'autres personnes qui cherchent un colocataire, par exemple, pour qu'ils vous fassent des Ouais. petits SMS. Ouais, pas de souci. Et puis je peux vous envoyer aussi deux trois noms, hein, histoire de que vous puissiez prendre des contacts. Alors normalement ils devraient être là mercredi, mais bon après avec les imprévus on sait jamais. Et si vous pouvez les Ouais. rencontrer demain ou après-demain avant la visite en question, et puis se donner rendez-vous par exemple pour mercredi soir, ça peut être aussi l'occasion.
Ouais, ok, pas de souci. Par contre, il faut un prénom et un nom, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que c'est mieux, je ne suis pas présenté. Pas de souci. Donc c'est Harry Darko. H-A de Zéry Grec, derrière KO. Darko. D'accord. Enchanté, monsieur Darko, et bienvenue Eh bien, sur enchanté. l'île. Merci beaucoup. Voilà, je vais tout simplement vous envoyer un petit SMS, au moins pour que vous puissiez voir avec les personnes. Alors, si les personnes ne répondent pas sous 3-4 jours, voire plus, ce qui peut arriver, hein, c'est en fonction un peu des disponibilités de chacun, Oui. soit vous les relancez un petit peu, soit vous nous dites, bah voilà, pour l'instant, j'ai personne qui a répondu. Faut pas hésiter à nous faire des retours, parce que bon, malheureusement, l'île est ce qu'elle est. C'est pas toujours très accueillant pour les nouveaux arrivants, même si nous on essaye de vous fournir une petite lumière pour vous permettre d'avancer. C'est pas toujours si évident que ça, et ça arrive très souvent que certains repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc bah voilà, si vous voulez un peu de soutien ou autre, et qu'on puisse au moins vous fournir d'autres numéros, vous donner des conseils, vous trouver une solution temporaire pour essayer de vous sortir de là, il faut pas hésiter. D'accord, pas de souci. Donc voilà. C'est tout bon pour Ok, vous? bah, ah bah, très très bien, tout à fait. C'est très gentil de votre part. Oui, pas de souci. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée pour le coup. Bah voici, bonne soirée, merci pour tout, et puis bah à très bientôt, je pense qu'on se verra, je vais essayer de venir de toute façon mercredi soir. Bien sûr. Et ça sera l'occasion de se rencontrer. Ça sera avec plaisir. Bah impeccable, merci beaucoup. Merci, passez une bonne soirée. Bah vous aussi, au Au revoir. revoir. Eh, bonsoir Maro, comment vas-tu? Ah bien, merci. J'avoue que je suis cassé parce que j'ai entre le sport juste avant de venir en live et la nouvelle journée de boulot. Je suis complètement fracassé. Bon, ça c'est fait. J'ai pas eu d'appel, j'ai pas eu de SMS. On va pouvoir aller tranquillement. Pourquoi pas aller jouer au casino. Ouais, j'ai de l'argent pour. J'ai de l'argent à perdre, comme dirait l'autre. Ouais, pareil, ouais. À quoi qu'on va rouler? Oh, une petite ZR. J'ai pas regardé l'état de l'île non plus. Aujourd'hui, je me concentre sur moi. J'ai eu des nouvelles de Monsieur Parnasse aussi, ça c'est bien. Donc j'ai peut-être essayé de créer un petit événement entre, mais même si ça peut être compliqué ça aussi. Faudrait que je prenne contact peut-être avec le truc de l'aviation là. Avec l'entreprise d'avion et d'hélico.
pour essayer de faire un petit baptême de l'air d'hélico. Alors, pour information, je ne serai pas en live vendredi, je ne serai pas en live samedi. Et si je suis en live dimanche, ça sera plutôt tard le soir. Donc, pour le coup, la semaine en live va être assez light. Déjà parce que je pense que je vais avoir besoin de me reposer. Parce que la semaine, la reprise est plutôt intense, on va dire. Et il y a un moment, faut que je prenne soin un peu de moi aussi. Ça peut servir, il paraît. Et bah pour le coup, en fait, on va partir du principe que Rico, pour ce week-end, il va aller faire un petit stage de survie dans la nature. Histoire d'apprendre à découper des gens avec un couteau. De faire du feu et de chasser la bête avec un couteau. Donc petit stage survie pour Rico, ça va faire du bien. Donc on va pas faire une grosse un gros travail hein, cette semaine. Clairement, on va pas être le plus productif. Sachant que je suis tout seul en ville pour G6 aujourd'hui. Hein. Enfin à cette heure-ci, il y a déjà eu des transferts de fait. Donc, ouais. Ah, elle est belle, cette voiture. Donc, je sais pas, aussi bien si bien si on peut, ça sera peut-être vendredi jeudi qu'on essaiera de faire un petit saut en parachute. Faut qu'on fasse aussi la découverte de la tombe de la grand-mère de Rico au cimetière. Va falloir qu'on le fasse. Bah, GG pour les 3000 jetons. Ah non. 1000 jetons. Bah, c'est déjà pas mal, ça vous rembourse au moins la roue. C'est exactement ça. Eh, bonne chance. Je vais avoir du mal de toute façon. Pas assez pour m'acheter un ticket, donc ça va. Tac. Allez, on va jouer jusqu'à 500. Ouais, je suis toujours autant chanceux, hein. Ah, même pas les trois cloches. Hein. Pourtant, il y en a bien une devant la machine. Hein. Je vois pas pourquoi ça fonctionne pas. Hein. Bah, tant pis. Le jeu, il veut pas. Tant pis. Mais pas sympa le jeu. Allez hop, on va échanger les 500 jetons. Peut-être falloir que j'aille chercher de l'argent. Ouais. Chercher un petit 15 000 balles là.
J'y pense. C'est quoi l'état de l'île? Ah, on aurait eu quoi faire des banques, hein. On va faire un peu de... Il y aurait une tournée nord, quasiment. On a une tournée... Bon, Sudin, faut la laisser. On a une petite Grète. Plus de 4. Quelques banques. On aurait peut-être des petits trucs à faire, mais... Bien sûr qu'on va chasser du gibier, marron. Bonjour. Chasse au gibier des familles, hein. Peut-être aller chercher de l'essence ou faire un petit message, voir s'il y a des gens disponibles à 20h. J'y crois moyen, hein, je vous avoue. On va aller préparer quelques mallettes, peut-être. On va pas aller chercher, faire le don du sang tout de suite, quoi qu'on pourrait au final, mais. On va en profiter pour dire bonjour à 2-3 connaissances, histoire de... Allez, la PDS, elle est faite. On va juste se changer sans plus. Ah oui, d'accord. Mais... Décidément. Oula, j'ai Schrödinger à réparer, S-bar à réparer. Ah d'accord, Schrödinger a été réparé déjà. S-bar aussi. Ah non, S-bar non. Je vais peut-être aller réparer S-bar.
Préparez-le sans mallette déjà. S'il n'y a pas besoin, on ira réparer les barres. Et je voulais envoyer des messages, j'ai dit. Excusez-moi. N'empêche, ça devient compliqué, hein, parce que toutes les connaissances de Rico, bah, mine de rien, partent les unes après les autres. C'est un peu chiant. Donc le noyau de Rico, il se fait un... Enfin, on commence à avoir en plus des fois des connaissances de criminels. Bon, après, ça sert pour le boulot, mais on a plus de connaissances de criminels que d'autres choses. Après, on commence à connaître que les gars de G6, vite fait les gars de la Fondation. Et puis après, bah, le reste, voilà. Ah, attends, j'ai essayé d'avoir Mike. Mike Kidd. Je vais lui laisser un petit message quand même. Oh. Y a Kenneth qui vient tourner avec nous. Ah, oh, c'est cool. Voilà. Oh, putain. Oh, je suis nerveux aujourd'hui. Je fous des patates à tout le monde là. Oh, faut que je me calme. Allez, détends-toi, Rico. Oh non, ça va pas se détendre. Pas tant que je ramasse des mallettes. Donc j'arrête de ramasser des mallettes. Ah non, d'accord. Il va pleuvoir. Les ricos sont perchés. Ouais, je vous l'ai dit, je suis fatigué, hein, et je suis fatigant, hein, donc tout va bien. On a une équipe qui gagne ce soir.
Oh merde, fallait que je passe au Weasel. Je suis pas passé au Weasel. Oh merde. Oh, oh la boulette. Ah le. Ah si, d'accord, on a bien le truc. Je vais laisser un petit message au Weasel. Papa, papa, Weasel, Weasel, Weasel. Weasel, Weasel, Weasel. Tout, 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 sinon, on peut aussi bosser sur la musique. Je veux juste une dernière banque. Que j'avais commencé la dernière fois. Oui, bonsoir. Bonsoir, Macbeth du Weasel. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai pas d'indication dans mon tableau là, de la Fondation Collins. D'accord. Attendez, quoique, je regarde. Parce que je vois qu'il y a déjà une publicité en fait qui a été faite aujourd'hui, mais je sais plus si c'est les suites de ce que j'avais fait la semaine dernière, parce qu'il y avait Ouais. eu un jour qui était manquant et après il y a eu des décalages, etc. Ou si D'accord. c'est ou si en fait Madame Sisney est passée aujourd'hui, je suis au courant de rien en fait pour le coup. Donc c'est pour ça que je suis un Ok. peu étonné. Parce qu'en fait, moi, en gros, la dernière publication enregistrée pour vous, ça s'arrête au 27 à... Attendez, Bah c'est oui, ça. normalement c'était censé s'arrêter hier, donc c'est pour ça que je suis étonné déjà de voir une publicité aujourd'hui. C'est bien, hein, c'est pas le souci. Ah, mais attendez, c'est parce que vous regardez les publicités qu'on a mises hier, en fait. Ah, c'est peut-être possible, Voilà, en ouais. fait, les publicités, on les publie tous les jours à 21 h. Ah ouais, donc c'est peut-être temps que Et... je m'affole un peu, en fait. C'est ça. Et jusqu'au prochain, comment dire, bah, à prochaine publication, c'est-à-dire aujourd'hui à 21 h, Bien sûr. les pubs de d'hier restent. Ah oui, j'avais pas vu la date. Ah, Voilà, c'est hier à vrai. 21 h 02. Donc en fait, je pense que la dernière en date, c'est celle que vous avez enregistrée du coup pour le 27, quoi, C'est pour ça. hier. Donc a priori, moi, j'ai personne qui est passé, mais j'ai pas D'accord. d'indication sur quoi que ce soit. Bon, on peut essayer de le faire par téléphone là, s'il vous plaît. Oui. Alors, ce serait pour quand? Alors, bah de toute façon, ça va être du lundi au vendredi. On a trois affiches. Oui. Et donc les affiches vont tourner, tout simplement. Ok. Est-ce que vous avez les trois affiches sous les yeux? Pas du tout. Alors, attendez, est-ce que vous les aviez déjà envoyées une fois? Vous, je sais plus. Vos collègues, c'est certain, mais vous, je sais plus. Alors, attendez. Il y avait qui d'autre? Ah, je crois que j'avais déjà eu Anna. C'est possible qu'Anna vous les ait fournis, oui. Je vais retrouver. Oui. Attendez, parce que j'ai Fondation Collins avec vos noms. Ah non, comment dire, c'est plus celles qui sont actuelles. Alors, attendez, je peux peut-être vous les faire suivre par mail. Il faut juste que je regarde à qui je les avais envoyés. Une de vos collègues. Je dois pouvoir vous retrouver. Vous pouvez me confirmer votre adresse mail, s'il vous plaît? Oui, alors c'est liv.macbeth@discord.gg. Alors attendez, parce que des fois on ne me trouve pas. Bah, si je cherche à elle, techniquement. Alors normalement, je suis la dernière à avoir publié sur le Weasel News, dans les canaux du Weasel. Ah, bah, c'est encore plus simple.
Parce que comme ça, oui, parce que souvent je suis pas facile à trouver. Je vous ai trouvé. Voilà. Ok. Alors, on va essayer de s'y faire comme ça. Voilà. Voilà pour le premier. Je vais vous les mettre les uns après les autres, parce que sinon. Je suis désolé, hein, j'ai pas mis de politesse ou quoi que ce soit. Non, vous inquiétez pas. Je me ferai violence après, vous inquiétez pas. Non, non, vous inquiétez pas. Mais plus sérieusement, non, quand même, c'est la moindre des choses, mais. Attendez, je regarde ce que j'ai. Voilà, Faire si ce sont les trois Ah oui, affiches. c'est bon. Ok. Donc, vous souhaitez que ces trois affiches, du coup. Ah oui, voilà, si j'avais pas les bonnes. Soit, en fait, se relaient là pendant une semaine, c'est Voilà, c'est ça? ça. Donc la première le lundi, la deuxième le mardi, la troisième le Donc, en fait, mercredi, pour la le coup. première, Dès ce soir. alors, normalement, on n'accepte plus les pubs avant. Ah. Attendez. Après 18h, en fait. Ah oui, d'accord. Bon. Alors Ouais. sinon, ce qu'on va faire, la première demain, Demain, ok, le 29, la ok. troisième mercredi, D'accord. la deuxième donc jeudi, Jeudi, et ok. après on refait le roulement. Ok, d'accord, pas de souci. Donc Jusqu'au comment, sur dimanche. 7 jours, quoi. Bah jusqu'au dimanche, parce que si vous Ah, faites jusqu'au dimanche. Ok, très bien, pas de Parce que souci. si vous faites pas de publication ce soir, ça fait trois fois deux affiches, si ça fait 6 jours. Ok, très bien. Ok, donc jusqu'à dimanche, donc jusqu'au. La dernière paraîtra du coup le 3. C'est ça. Je vous avoue 3 que j'ai pas septembre. les dates en Non, tête. non, mais il n'y a pas de souci, j'ai un truc sous les yeux. Ok. Et Eh comme bien, je ça, vous on pourra. enregistre ça. Eh ben, ça marche. Ce sera avec plaisir, s'il vous plaît. Ok, pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous en tout cas. Au revoir. Passez une bonne soirée, au revoir. À vous aussi. What? Attends 2 secondes, j'ai. Salut Rico. Salut à toi. Je crois que j'ai pas pu en revenir tourner avec toi. Parce que. Il y a le format. Pas de souci, mais là je viens d'avoir le lieutenant Canestrom qui vient de m'appeler. Et je t'avoue que ça me fait Pour. peur. Bah je sais pas. C'est pour ça que ça me fait peur. C'est pas souvent Canestrom, que c'est le. SHP ça. C'est pas souvent que le SASP m'appelle, quoi. J'ai fait un CSP. C'est chaud. J'essaie de l'appeler, savoir. Oui, allô? Bonsoir lieutenant. Vous allez bien? Bien et vous-même? Ça va, ça va, ça va. Dites-moi. Dites-moi, j'ai une petite question. J'ai peut-être une petite réponse. Je suis actuellement sur une enquête sur des individus qui auraient posé des soucis au niveau de deux entreprises de Los Santos. Oui. Et j'ai entendu que ces individus avaient eu apparemment des problèmes avec la fondation Collins. Oh, laissez-moi deviner, Zippo et Buddy. Bah, je sais pas du tout en fait, parce que j'ai des numéros de téléphone, mais j'ai pas de nom. Alors attendez. Alors attendez, attendez. Hop, 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 laissez-moi Ah, retrouver les numéros. est-ce que vous avez possibilité de me. Yep. Parce qu'en fait, apparemment, il y a une personne de la fondation qui est à la ferme, je crois, Oui. qui m'a dit ça. Et en fait, quand j'ai demandé à la personne de la ferme si je pouvais avoir les noms, apparemment, l'individu a dit qu'il n'était pas autorisé à vous les donner. Donc c'est pour ça que je préfère Bah, sur passer par. principe, normalement, en effet, on n'est pas censé les donner. Après, si vous avez un mandat, on pourra vous les donner plus facilement. Après, je D'accord, peux donc vous faut. confirmer si je connais les numéros ou pas. Ça, je pourrais vous D'accord, le donc faut que je confirmer. passe par un mandat, c'est ça? Bah, en fait, si vous voulez, la liste, normalement, on n'est pas censé la divulguer. Ça nous permet, nous, de savoir un petit peu à qui on parle et ce genre de choses. C'est pas pour vous embêter, hein, c'est que pour que les choses soient faites correctement, en fait, tout Ok. simplement. Moi, après, là, je peux vous confirmer si je connais les numéros ou pas. Ça, à la rigueur, je pense que ce Alors, serait pas un souci. 0929. 0929, vous me dites. Oh oui. Je connais. D'accord. Et le Et je pense que deuxième. je dois pas trop me tromper si je dis 5270. Alors non, c'est pas celui-là. Étonnant.
Non, 40-25. Ok. Eh ben, je vous attends. Donc, ouais, faut que je passe par un mandat, c'est ça? Je pense que c'est préférable. En fait, c'est pas pour vous embêter. Ouais. Vraiment, mais c'est que normalement, on était en train de voir justement avec le gouverneur pour faire que cet élément puisse être à disposition de. Enfin, qu'il y ait un secret, une sorte de secret professionnel qui soit lié à cette Après, le liste. problème, c'est que le secret professionnel s'applique surtout aux EMS, etc., pour les traitements, quoi. Après, vous. Alors, c'est pour ça que moi aussi, je veux faire ça proprement. Je veux pas vous mettre de pression. Vous voyez, je veux qu'on travaille main dans la main, Ah pas qu'on non, mais s'engueule pour de la merde, non? je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est qu'après, nous, on a essayé justement de voir avec le gouvernement, avec le bureau du procureur, pour que ce genre de liste soit un peu une sorte de secret professionnel, parce qu'on traite quand même de l'humain, on va D'accord. dire, et que pour éviter que des gens, même de la fondation, ne fassent n'importe quoi avec ça. Ok, Pour pas qu'on de puisse. souci. Donc, on essaye de faire appuyer ce texte qui devait passer. Je ne sais pas où ça en est exactement, mais qu'on commence déjà, dès à présent, à faire comprendre aussi aux membres de la fondation que ces numéros-là sont pas donnés à n'importe qui et qu'il y a Ok. une certaine protection à avoir, au moins pour protéger les gens et pour protéger la fondation aussi. Ok, eh ben je vais. Mais après, c'est avec joie que je vous donnerai les informations. Oui, parce qu'ils ont fait une petite connerie. Oui, ça je me doute, ouais. Vu les individus, je ne suis pas étonné du tout. Ok. Eh ben c'est nickel. Bah du coup je vais demander un mandat et puis bah je vous rappellerai quand j'aurai un mandat du Bien coup. sûr, il n'y a pas de souci, et ce sera avec plaisir que je vous donnerai les informations. Ok, pas de souci. Ah, merci beaucoup. Merci à vous, Bonne passez une journée. bonne soirée. Oui, donc tu me disais que tu pouvais Là, j'ai une pas. formation à 21 h. Le truc, c'est Ah, que le petit nouveau si. pour le pour faire le. Il y a un nouveau, c'est ça? Non? Ouais, il va y avoir un nouveau. Si Lee et Jeff sont là, je peux partir, par exemple. Ouais. Mais si je suis tout seul, enfin. S'il n'y a que Lee et moi ou que Jeff et moi, ben. Bah à la rigueur, ce qu'on peut faire en attendant, j'ai vu qu'il y avait un véhicule à réparer. Yep. On va aller le réparer ensemble. J'étais partant. Comme ça sera Bah, let's fait. go. C'est quoi, c'est S-bar? 16 barres, ouais, je crois, j'ai vu, ouais, de mémoire. Comme Bon, ça, on va mettre les GPB quand même. Bah, à moi, en Bah, fait, tu vois. surtout que si je tourne pas, en fait, j'ai pas envie de casser de mettre un Pas GPB juste faux. pour ça, mais. Normalement, on devrait sortir avec le GPB. Ah Comment bon, ça? bah. Ben, on le met Pendant le alors. service. Hein. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'habituellement, c'est pour éviter de le Normalement, casser, c'est on le met, normalement, on le met avant, vu qu'on est déjà parti, mais. bon, on va le mettre comme ça au moins. On est en sécurité, on fait dans les règles, il n'y a pas de souci. Fais toujours les règles. Après, tu me diras, c'est. Je préfère te voir avec un GPB que de voir 100, et même si Bah, le BMX c'est pas loin. c'est surtout qu'on n'a pas besoin de faire des économies de bout de chandelle non plus, mais bon. C'est vrai que c'est par habitude, quoi. Bah, écoute, je préfère qu'on paye un GPB en plus et Et que qu'on tu sois soit. en vie C'est que sûr. d'avoir à payer la rente d'un homme mort de groupe 6. Oh, tu payeras pas de rentrée sur toi. Oh. N'y aura personne pour la recevoir, donc t'auras pas besoin. Ah bah, t'as compris ce que je veux dire. Ouais. T'en fais pas. Je l'ai pas mis? Non. Ouais, mais bravo. Félicitations. Bravo, monsieur Narvaez. C'est sûr que si tu scratches pas le GPB, ça tient pour longtemps. Pareil, ouais. Bon, de toute façon, j'ai préparé 300, comme ça, au moins, pour la Yak. forma, il y aura ce qu'il faut. Si je me suis pas trompé sur les comptes, mais normalement, il y a Non, c'est 300. 3. Non, il y a 312. On a fait 12 de trop, Rico. C'est 12 qui était déjà là. Ah, t'as réussi à en faire 300 piles? À 298, en fait. Mais il y en avait 14 quand je suis arrivé. On a un transfert à faire aussi, j'ai vu. Ouais, mais après, je sais pas s'ils ont essayé de l'appeler ou pas tout à l'heure. Bon, de toute façon, on n'est que deux, donc pour l'instant. Ça va être compliqué. Attention à toi. Ça Ouais. va, c'est un brûleur. Ça pourrait être pire. Oui. Bah, pour les bowlers, on se gare pareil que pour Ah, le. moi, je mets pareil. Ouais, tu me diras. Si jamais il y a une radio ou quoi que ce soit, ça évite les soucis. Nous étions même administratifs. Qu'on nous cherche pas comme des cons au dépôt. Oui, de préférence. Parce que surtout qu'il faut que je montre l'exemple. Et il est où l'exemple? Putain,
Chez Canestrom. Oui, bah, du coup, je viens d'avoir le bureau du procureur. Oui. Ils m'ont dit que, en gros, faudrait que vous baigniez passer une audition, parce que les auditions, c'est justement réglementé sous le secret professionnel, où il n'y aurait que le BDP qui serait au courant, et moi, du coup. Oui, alors dans ces cas-là, je finis ce que je fais. Ouais. Et faut que je me rende au SASP ou... C'est ça, au SASP, ouais. D'accord, bah dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, ouais. Bah dans ce cas-là, voilà, je vous fais passer une audition, je vous dis que j'ai deux numéros, et puis donnez les noms, et puis derrière, moi, derrière, je convoquerai ces messieurs. Parce que je suis même étonné que vous m'ayez pas... Enfin, comme je l'ai dit, j'attendais un autre numéro que le deuxième que vous m'avez donné, déjà, donc... Bah, il y avait trois personnes, sauf que moi, j'ai récupéré que deux numéros, en fait, donc après, bah, ça va être le jeu de l'interrogatoire de qui me balance le troisième, quoi. C'est un peu ça, mais... Sauf qu'à mon avis, ils vont le protéger, puis bah, j'en aurai que deux, malheureusement. Ça, il y a des grandes chances. Bon, c'est pas grave. Les loustiques, il y a des grandes chances. Pire, on leur fera comprendre que si le troisième vient, on sera peut-être un peu plus gentil, quoi. Ça, c'est votre travail. Ouais. Enfin bref, bah, je vous attends, du coup. Pas de soucis, je pense être là d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Ok, pas de soucis, merci. À tout de suite. À tout de suite. Je sens que je vais être tout seul. De quoi faire la forma? Ben non, après, si tu veux que je t'aide, ah bah, je oui, j'ai pas le droit de la faire tout seul. Donc. Oui, non, mais ça c'est normal, mais je t'en soutiens. C'est juste le temps que je passe. Non, parce que j'ai vu que j'ai fait une croix rouge à ton message. Alors... Oui, mais peut-être parce qu'il. Non, mais c'est peut-être parce qu'il fait la forma aussi. Ah oui, mais ça j'en sais rien. Les Lee et Jeff, je crois qu'ils sont passés cet après-midi. Hein. Ça se trouve, ils ont déjà tout organisé. Mais... Ah, je. Peux pas te dire. Je suis pas dans les petits papiers là pour l'info. Moi non plus. Et bonsoir. Et bonsoir. Bon, ça se passe bien, Bénice? Ah, je n'ai pas été pas assez fort. Ça se passe bien, Bénice, ce soir? Oui, ça va un peu la course, mais ça va. Entre le moment du repas, en plus, ça doit être ouais. Top, top. Allez, voilà. La bonne journée. Bon, ouais, merci bien. Bonne soirée à vous. De toute façon, tu me tiens informé si vraiment oui, tu vois que t'es tout seul. Moi, je décale. Hein. De toute façon, c'est 21h donc. Le temps qui est 21h, le temps de faire toute la paperasse. Utilise tout. Tu peux mettre la petite coche, s'il te plaît, pour S-bar. Yep. Je te remercie. Oh, t'as raté quelque chose, hein, vendredi. Oh. Ouais. Ça faisait pas 10 minutes que j'étais chez moi, je me suis noyé. Oh, le boulet. Bah, ça m'a tellement crevé, en fait, que j'ai nagé un peu. Et je suis trop fatigué. J'ai pas réussi à remonter. Oh, le boulet. J'ai fait ça toute la semaine, y a eu aucun problème. J'invite des gens, déjà, avec une heure de retard. Et j'arrive à me noyer. Au-dessus, j'étais capote, mon vendredi. Ah bah oui, bah, je m'étonne. On a grillé quoi, deux morceaux de viande, trois poissons, ça. Ah oui. Ah ouais, non. C'est la patron. C'est chelou, j'étais super efficace vendredi soir.
Mais j'en étais sûr que c'était un coup de buddy et Zippo, le truc. Par contre, qu'ils aient embarqué un autre gars, ça c'est plus chiant. Bonsoir Guy. Bonsoir patron. Bon, je vais faire... J'ai pris un vent. Bah moi aussi. Tout va bien. Plus il faut... J'espère qu'il va se passer sous son barre à la banque. Il faut qu'il fasse les documents pour le petit nouveau. Alors... Ah, bon, ça, ça devrait le faire. Dispatch. Ça devrait le faire. Parce que pour l'instant, il n'est pas sa ligne. Je te laisse pour le coup. Ouais, puis si j'ai besoin, je t'appelle. Ouais. J'espère qu'il y en a un des deux qui va se réveiller. Normalement, ça va prendre 10 minutes. Hein. Bon, c'est tout cassé. Et après, ouais. On verra ce que ça donne, mais voilà. Allez, à tout de suite. À toutes. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Il Monsieur va, Lee, va. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Je crois que je vais me coucher tôt. Ah non, mais sur l'affaire et après dodo. Si on perd les deux chefs ce soir. Je dirai rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, si t'es fatigué. Ah, tu vas au lit. Non. Oh 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 là. Oh là, non, mais ça, c'est. Non. Me froisse avec lui, je vais être dans le beau drap. Non, oh non, mais non. Oh, là. Oh non, aïe aïe aïe, oh j'ai mal. Mais tu sais que même au sol, je vais te frapper. Hein. j'ai mal à mon amour propre. Oh, ça fait mal. En même temps, tu m'as tendu la perche, lui. J'ai rien tendu du tout. C'est ah, si t'as dit que t'étais fatigué. Oui, bah ça arrive d'être fatigué dans la vie. Oh là là. Terrible. Voilà. Bon, allez. Moi je reviens, à allez, tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout. Hein. Bon bah je vais visiter les locaux du SASP que j'avais jamais visité encore. Pour le coup.
Et bonsoir, monsieur. Et bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens à la demande du lieutenant Canestrom pour une audition. 13, c'est pour où? Varez. Et bonsoir, lieutenant. Allez, venez avec moi. Bien sûr, après vous. J'étais justement en train de préparer la paperasse. Non, y a pas de souci. Se mettre dans la salle de dispatch, on sera tranquille. Première fois que je visite vos locaux. C'est sympathique. Du coup, alors attendez. Évidemment, la paperasse, c'est génial. Ça, je me doute, oui. C'est quoi votre numéro déjà, vous? 8509. Hop. Attendez, donc cadre légal, on va mettre demande d'information, demande d'identité même. Pour enquête. Tac, tac, tac. Alors, que je fasse ça bien pour pas que ça soit vice de procédure. Si vous souhaitez les coincer, c'est préférable en effet. Oui, oui, oui. Bon, après, en gros, c'est pas un truc qui vous inculpe, donc. Non, bien sûr, mais bon. Donc ces documents-là, ils les verront jamais. Arvarez, écran. Demande d'identité correspondant à numéro de téléphone. Pour enquête, hop, moi je vais marquer dans le laïus. Marquer suite à enquête. Certaines personnes ont eu des soucis avec la fondation Collins. Une enquête étant en cours. Je vous le dis, comme ça, de toute façon, vous allez le relire. Hein. Je vais vous le faire. Bien sûr. Alors, j'ai marqué, certaines personnes ont eu des soucis avec la Fondation Collins. Une enquête étant en cours pour une autre infraction. Virgule, des numéros de téléphone ont été relevés durant l'enquête. Afin que l'enquête puisse avancer, virgule, les noms correspondants puissent prendre, on va éviter les fautes, les noms correspondants à ces numéros sont nécessaires pour une convocation pour un interrogatoire. Marqué vu avec le bureau du procureur le 28. Je mets tous les cadres légaux comme ça, vous êtes tranquille aussi. Des dites personnes. Une audition avec le président de la fondation Collins, Narvaez, pas faire une faute dans votre nom, Rico. Ouais, c'est souvent le R qui se balade. Rico est fait pour avoir l'identité des personnes. Hein ?
Les radios bloquées, magnifique, oui. Ah. Ah, ça, c'est pas agréable, ça, si vous avez ça dans les oreilles en plus. Ah, mais c'est l'habitude, vous savez, c'est le métier, ça. On est assez habitué à faire, évidemment, c'est là où j'attrape une fièvre. Ah, si ça s'accumulait pas, ce serait pas drôle. Alors, du coup, question. Du coup, comment je vais dire ça je vais marquer tout simplement, hein, avez-vous les identités? Les identités. Personne correspondant au numéro. Donc, je vous ai dit. Vous m'avez dit 0925 et 0929, c'est ça? C'est ça. Au numéro suivant, 555-09-29 et 555-40-25. Je revérifie quand même, 40-25, c'est ça. Et 09-29. Ok, nickel. Du coup, je vous laisse, si vous le voulez bien, me donner l'identité de ces personnes. Alors, pour 40-25. Alors, c'est... réponse. Hop. C'est ouais. Monsieur Yves, IVE, ou Ivy, non, peut-être Ivy, je ne sais pas comment il prononce ça, bref. IVE, ouais. Enfin, Prince, ouais. P-R-I-N-C-E. IVE, V-I-N-C-E, c'est ça? Non, Yves, et le nom de famille, Prince, P-R-I-N-C-E. Ah, donc, IVE, espace P-R-I-N-C-E. C'est ça. Ok, nickel. Et du coup, le 0929. Jackson, comme prénom. Oui. Et Miles, en nom de famille. M-I-2-L-E-S. Donc, J-A-C-Q. J-A-C-K-S-O-N-S. S-O-N, pardon. S-O-N, ok. Et M-I-2-L-E-S ou un seul L? 2-L. Ok. Surnommé Zippo. Surnommé Zippo. Ok. Souvent il se fait souvent appeler la Zip ou Zippo. Ok. Nickel, nickel, nickel. Parce qu'il s'était présenté à nous comme ça et quand on a essayé de chercher pour les noms, c'était un peu compliqué. D'accord. Eh ben nickel, je vous remercie. Je vais donc faire SASP. Le 08-28-2023 à 20h52. Je pensais pas les retrouver si vite ces deux-là. Oh, vous n'allez pas les retrouver de si tôt. Bon, si, ils vont être dans la rue, mais oui, oui, oui. Le problème, c'est que... Après, comme j'ai dit à mon collègue, dire que je vais essayer de leur faire un petit coup de pression pour pas non plus les enculer financièrement, vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Parce que plus je les encule financièrement, plus ils vont retourner dans la rue faire de la merde. Ah non, mais de toute façon, ils feront de la merde. Donc je vais essayer de leur mettre un bon coup de pression et puis. Sans vouloir être défaitiste, ce genre de personne, malheureusement, dès le départ, quand ils commencent déjà à emmerder une association qui les aide, oui, oui. Vous doutez bien que quand ça se présente en vous disant je vends des montres sur la plage, prenez-moi pour un con, c'est marqué en gros sur mon front. Si, joins le lien. Signature. Hop, je vous ai envoyé un petit mail. Bien sûr. Parce que je présume que c'est rico.narvaez.discord.gg. C'est exactement ça, et pas de souci. Je vais peut-être vous le demander avant d'ailleurs, mais bon, je m'en suis douté. Je suis au policier. Vous inquiétez pas. Je crois que ceux qui connaissent pas mon numéro en ville, c'est qu'ils ne savent pas lire. Donc.
Je suis pas inquiet pour ça. Je vous laisse relire, me dire s'il y a des choses à changer, bien sûr. Mmh. Je vais être chiant, mes fondations avec un F majuscule, s'il vous plaît. Oui, non, bon, c'est votre fondation. Je l'ai mis à Collins, c'est son nom de famille. Enfin, le nom de famille de... De madame. De madame Collins. D'édit, c'est collé. D'accord. Ouais, ah, c'est possible. Ah oui, c'est le pluriel du Dudy. D'accord, ben, comme ça. C'est toujours bon d'apprendre des choses. Ouais, on apprend tous les jours des choses. Du coup, je vais corriger ça aussi. Hop. Parce que là, j'ai tapé trop vite et j'ai pas mis les majuscules. D'accord. Donc la question, ok. Les identités peut-être avec un S. Oui. Donc ça, c'est bien ça. Et ça, c'est bien ça. Donc pour moi, ça va. Eh bien, si c'est tout bon pour vous, je vous laisse signer. Je vous envoie une version PDF pour que vous ayez la version de votre côté. De toute façon, cette version-là ne sera consultable que par le bureau du procureur. De toute façon, pour moi, c'est bon. Il y a pas de... Eh bien, nickel. C'est bon pour moi. Je vous laisse la valider. Alors, hop. Hop. Et voilà votre version. Et moi, je la mets également ici. Et c'est bien pris, merci. Eh ben, merci à vous, ça m'aide énormément. Oh ben je peux déjà mettre une pièce, savoir qui est la troisième personne, mais... Ouais, on va garder la présomption d'innocence. Oui. On verra, hein. Au pire, il le balance. Pour c'est... Oui, mais ça, le problème, c'est que moi, je mets une pièce dessus, mais ça garantit rien du tout. C'est... Oui. On est bien d'accord. Donc, là, je... Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup, voilà. Je vous accompagne. Bien sûr, après vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, la bonne soirée aussi. Au revoir. Et bonne patrouille. Vraiment con, c'est gamin. Pourquoi j'aurais parié que c'était eux en fait? J'aurais dû parier, je me fais du blé là-dessus. Je me serais fait du blé, hein. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à embarquer une autre personne là-dedans, quoi. Ah oui, non, mais après, ils jouent leur rôle en soi. Ça serait con de jouer un criminel et de pas essayer de faire des petites arnaques, des trucs comme ça. C'est leur personnage, donc en fait, ça colle. Ça colle tellement bien. Moi, perso, j'adore hein, ce qu'ils font. Enfin, pour le coup, là, je trouve que c'est bien pensé. C'est pas trop mal amené. Ça fait chier personne, réellement. Ça tente des arnaques, mais forcément, ça marche pas. C'est ça, être criminel aussi. Donc, en soi, ça m'étonne pas plus, quoi. Donc, non, c'est bien joué de leur part. Ils ont tenté, ça aurait pu marcher.
Ça ne marchera pas. Mais et voilà. Remessieurs, et bonsoir monsieur. Ah, bonsoir. Bon, Rico. Rico a un CBI. D'accord. Voilà. Je faisais juste la présentation. Enchanté. Monsieur Turner, c'est ça? C'est ça. Ouais, trop fort. Ouais. Peut-être parce qu'on vous a accueilli aussi, mais... Ça peut jouer. Puis j'ai vu aussi des collègues à vous. Oh, comment ça s'appelle? Caslo, il y a hier, je crois. Oh, c'est possible. C'est bon. Bon. Non, on va continuer la formation. Ouais, ça marche. Oui. Bah, bon courage. Merci. C'était quoi le message de messagerie? Ah, je pourrais laisser un message à Madame Kidd aussi. Qui résonne en nous. Ah, je m'occupe du message, messieurs. Ok. Il y en a. Donc on en a quatre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vieux Botos. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien, merci. Je vous appelle concernant votre demande, justement, pour le transfert. Oui. Alors, on n'a pas d'équipe complète pour pouvoir le faire immédiatement, mais dès que ce sera le cas, on vous recontactera. Vous êtes disponible jusqu'à quelle heure Pas trop tard, donc c'est pour ça que je ferai ça sûrement demain, si jamais, comme ça. ça dépend, si vous avez une idée de... au moins ce soir. 21h30, 22h par là. Non, ça va être compliqué. Là, je vous sais. Oui, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça, ouais. Je le redemanderai demain, comme ça. Mais je le note, de toute façon, à prévoir. Okay. Pour le 29, comme ça, au moins, c'est fait. Vous n'aurez pas besoin de refaire la demande. Elle est ça notée. Et, vous avez une idée de vos disponibilités au pire demain, histoire que je complète. Demain, dans l'idéal, ça serait vers 21h. Comme ça, on est sûr là, quand la carte est terminée, tout ça. Donc... D'accord. Le soir. Je mets vers 21h dans ces cas-là. Oui, comme ça. Comme ça, au moins, on aura une idée. Ça permettra de s'organiser un peu plus facilement. Ok, ça marche. Bon, eh ben, c'est noté de notre côté. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, eh ben, bonne soirée. Si vraiment, là, je vois dans les 10 minutes qui viennent, j'ai beaucoup plus de monde qui débarque. Oui, ok. On vous recontacte. Bah, pas de problème. Sinon, ça sera pour demain. Ok, super. Et eh ben merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.
Oh, je vais être tout seul pour tourner, ça va être un plaisir. Ben, je sens ma grande motivation là. Si vraiment il tourne pas, moi je me casse, hein. Enfin, ils vont tourner avec le nouveau pour lui faire sa formation, etc. Mais si c'est ça, aussi bien, je pourrais peut-être faire un petit truc que j'ai jamais fait pour l'instant. Mais après, il faudrait peut-être que je l'installe. Mais aussi bien, on va essayer de prendre des photos. Et après, je sortirai la tablette graphique. Et je pourrais essayer de faire du petit griffonnage pour me remettre au dessin, déjà. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait du dessin à main levée. Salut Rico. Salut. Tu vas bien? Et toi? Ça va. Tu fais quoi? Tu participes à la formation ou Je sais pas, on va voir suivant. Parce qu'il y avait Kenneth qui voulait peut-être tourner un petit peu parce qu'il avait l'air d'être crevé, je crois. Faire un petit truc et puis après pour aller se reposer. Je vous laisse décider entre vous parce que je vois qu'il y a juste une ou deux banques à faire. Et de toute façon, il y a une banque qui est à laisser pour. Ouais, il y a deux banques, ouais. Il y a deux rouges. Après, on peut retourner à 3, donc de toute façon, on fera avec ce qu'on a, mais. Il n'y a pas grand chose à tourner ce soir. Ouais, j'ai vu une tournée nord. Ça commence à se vider, mais il n'y a pas. Non, c'est ça. J'ai vu la tournée nord, mais la tournée nord n'est pas tout à fait suffisante pour. Histoire de la faire bien correctement. Non, non, bah non, faut la laisser encore. Je pense qu'on a bien une bonne heure, facile. Oh, même plus, elle a été faite à 3-4 heures, à 4-5 heures du matin par lit cette nuit, donc. Bah, quoi qu'elle est rouge, alors il doit rester quoi, une ou deux trucs à chaque fois. Mais bref, ouais, c'est le temps que ça se fasse, quoi. Ouais. Et après, bah, vous avez bien charbonné. J'ai pas vu si vous avez charbonné aujourd'hui, je vous. J'ai suivi ça d'un œil très distrait. On a fait 200, à faire, on a fait 200 mallettes à 3 ce matin chacun. Et on a fait 100 mallettes après derrière, juste pour Charles qui est venu nous rejoindre après. Donc c'est tout ce qu'on a fait dans la journée, tout le reste après derrière, l'île était verte. Ouais, c'est encore très... Voilà, donc autant de dire que depuis ce matin, après derrière, ça n'a pas tourné de la journée. Et qu'après, ça a tourné un petit peu tout à l'heure quand moi je suis parti, manger. Ouais, ça a dû faire la tournée 2, peut-être la 3. Parce que je vois qu'il y a la grette qui est quand même assez, assez vide. On a bon bah, la tournée 1, ça c'est normal. Ouais, en plus, il y a encore des trucs qui sont rangés. Ah oui, donc non, ouais, il y a encore 2-3 heures avant que la tournée nord se vide. Ah oui, non, bah oui. Je te laisse, je vais les rejoindre moi. Ouais, parce vas-y, que... vas-y, file. Ouais, va faire ton rôle de formateur. Ça c'est raté ça. Ça s'est raté encore. Oh putain, bien raté. Le tir à l'épaule, je suis vraiment pas bon. Le tir à l'épaule, c'est vraiment pas ça. Ça va, quoi? Ouais, ça va. Ah, ça secoue un peu, mais. T'es tout seul? Bah non, il y a une formation. Une? Hein? Pourquoi ils ont tous marqué au dépôt alors? Bah parce qu'ils sont en formation.
Aïe, oh, je te faisais confiance. Oh, j'aurais pas dû. Oh. Ah non, jamais. Mais c'est une formation quoi? Un nouveau. Donc ça va partir en tournée pour faire c'est ça PMR rouge, c'est ça? Ah c'est ça. Après il faut voir s'ils sont combien ils sont pour tourner. Normalement ils ont besoin qu'à d'être deux, mais il y avait Kenneth qui voulait peut-être tourner un petit peu. Oui, pas des cubes rouges. Mais oui, c'est pour ça, s'il y en a un qui se dégage, on peut faire un peu des trucs. Yep. Ok, ok. Bon, moi, je vais prendre... Ah non, je vais appeler zombie d'abord. Ah, t'as un nouvel achat en tête? Oui. Mais ouais, sur le principe, j'ai fait 300 mallettes là, donc au pire, j'en prépare 300 de plus et. C'est parti. Moi, j'ai raté tous les transferts, je suis deg. Putain, j'aurais pu venir en plus, mais j'ai pas eu le message. Parce que là, c'est con, on serait assez pour faire un transfert, j'ai un transfert de la ferme à faire. Bah, y'a pas de message. Si. Mais bon, ils sont en formation, donc de toute façon, c'est mort. Une personne ouais. De plus au moins. Ça va me rappeler. Voilà. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que par tout hasard, du plus grand des hasards, vous auriez une Comet S2 ou S2 Cabrio à vendre chez vous, en dépôt-vente? Non, ça oublie. Ouais, je suis chaud. Pourquoi oublie? Ah, parce que passé un temps, tout le monde en voulait et qu'ils n'arrivaient pas à en trouver. Nickel. Mais en fait, j'ai contacté le mec qui l'a vendu à 200 000 sur le Weasel, mais il me répond pas. Ah merde. Globe Sébastien. Ouais, ou une S2, une des deux. En fait, c'est quoi? Vous avez un dossier client avec les véhicules que les gens recherchent, c'est ça? Bon, rajoute un Camacho dedans, du coup. Ça t'aura plus de chance déjà. Ouais, ça marche. Pas de soucis, aucun problème. C'est parfait. Eh ben bonne soirée à vous. Ça t'aura nettement plus de chance, un Camacho. Hein? Un Camacho, t'en auras déjà nettement plus de chance. En fait, faut partir du principe qu'un véhicule qui peut s'abîmer facilement et qui est déjà assez présent en ville, tu pourras le trouver en occasion. Si c'est un véhicule que tu vois quasiment jamais en ville, qui pas souvent recherché ou quoi que ce soit, ou alors qui peut être très cher et très recherché, oublie si c'est un truc que tout le monde cherche, que tu vois des annonces pour en chercher de partout sur le Weasel, ça sera compliqué de le trouver aux zombies. Parce que eux, en fait, ils partent du principe, c'est des véhicules, mettons, qui ont été accidentés ou trucs comme ça et qui rénovent. Ouais, mais j'ai appelé, on sait jamais. Ah non, mais t'as raison, faut tenter, si tu tentes pas, tu peux pas savoir. Mais vas-y, viens me répondre, l'autre bâtard, en plus j'ai une custo de fou à faire, je l'ai déjà en tête et tout. Ah, mais attends, il y a eu les prix, faut que je rende mon compte. 284 000, j'ai jamais été aussi haut.
Vas-y, la vendait à 200 000 au lieu de 250 000. C'est une affaire. Ouais, stop, mais bon. Et la custo est dégueulasse, mais bon. Ouais, mais ça, les custos, malheureusement, c'est au goût de chacun. Hein. Moi, quand je me suis retrouvé avec la Sanctus Rose Bonbon, autant dire que ça m'a fait un peu chier quand même. Hein. Mais bon, je connaissais la personne qui vendait. Ouais. J'ai fait bingo, quoi. Après, j'ai un pote à moi qui vend une la Turismo Classique là sur le Weasel à 200 000 aussi. En vrai, elle me fait de l'œil aussi quand même. C'est toi qui vends, hein. C'est ton compte en banque. Ouais, mais vas-y, c'est cher quand même. Trop de véhicules. En fait, le Camacho, je me dis, bah, si j'achète un véhicule à 200 000 là, le Camacho, je l'ai déjà à la fin de la semaine prochaine, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ça peut attendre. Après, ce sera la carte grise le problème, mais bon, ça. Un problème, vas-y. Pourquoi ? Pour toi, c'est tout. Pas grave. Oui. C'est pas grave. Alors, en plus, en soi, la prochaine, elle est pas très chère. C'est de 20 000 en 20 000, non ? Pas tout à fait, mais. Parce que moi, je sais que la 7ème était à 120 000 hein, quand même. Donc, alors que je crois que l'autre évidemment était à 90 000. Tout ce que je sais, c'est que la 4ème, elle est à 40. Parce que je peux t'assurer que moi, ça m'a piqué un petit peu. Tu vois, La prochaine carte grise ? La prochaine, je veux même pas savoir son prix. Parce que je sais que. Est-ce que t'as besoin d'autant de véhicules ? Ah, en fait, en soi, non, parce que je fais déjà tourner tous mes véhicules et j'en fais quand même tourner 6. Ouais. Le 7ème étant un véhicule de la Fondation. Je sais pas, c'est quoi le véhicule de la Fondation ? C'est un Rampo Custom. Ok. Donc, d'ailleurs, t'es salarié, genre tu gagnes de l'argent avec la Fondation ou rien du tout ? Que dalle. T'es bénévole. Je suis bénévole. Je suis un président bénévole. Donc tu vois, j'ai les responsabilités, les emmerdes, y'a rien qui me paye. Voilà. Si tu veux résumer ça, c'est à peu près ça. Ça te paye en rencontre. C'est ça, on va dire ça. Ça permet de rencontrer aussi du beau monde. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que... Enfin, du beau monde et du monde un peu moins recommandable, mais ça... Si j'ai besoin. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Non, mais si tu veux, ça peut être des grands patrons qui sont pas recommandables. Ça, c'est ça, y en a. D'autres. Des grands patrons, genre d'entreprise. Ah, bien sûr. C'est qui ? Oh, ça, t'as pas à savoir. Ça, c'est mon business. Vas-y, tu t'en déperches comme ça, tu teases et tu dis pas. Ah non, 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 j'ai rien à dire. Sauf un mandat, monsieur. Non, je peux rencontrer des patrons, je peux rencontrer des chefs de gang, parce que si jamais il faut que je sorte un gars de la misère, ou quoi que ce soit, bah, des fois, il faut peut-être arrondir certains angles pour que la personne, elle puisse dire, bon, les gars, vous lui avez fait chier, maintenant, foutez-lui la paix, quoi. Le problème, c'est que quand ils ont la main sur quelqu'un, c'est pas toujours évident. Et quand la personne elle fait juste un mauvais choix, et si c'est pour qu'elle finisse au fond d'un trou parce qu'elle en aura tellement marre, elle va les vendre, que les autres vont vite le remarquer parce que généralement, ils sont tous très futés dans le milieu, tu vois. Et donc, il y en a qui font un peu n'importe quoi. Et ça finit rarement bien, cette histoire. Je vois très bien. Donc malheureusement, des fois t'es obligé de. Tu fais quelques rencontres quoi. C'est pas toujours évident. Heureusement, j'ai pas à les rencontrer souvent, donc ça va très bien. Du coup demain la distribution, c'est ça ? Après demain, pardon. Ouais. J'ai distribution. T'es tout le temps présent toi à la distribution ? Non, quand je peux pas, c'est tout. Après, j'y vais parce que j'aime bien y aller, c'est sympa. Là, par exemple, le nouveau, c'est moi qui ai fait, j'ai accueilli, quoi. Ouais, d'accord, ok. Il y en a qui me disent... C'est Lorenzo Turner. Tu vois, bon, en plus, il vient de faire sa PDS, pour le coup. Si tu veux, il y en a... Enfin, tu sais, avec l'habitude, tu sais où ils vont bosser, quoi.
Mais ça fait toujours rigoler, si tu veux, quand t'as un petit nouveau qui dit « Ouais, moi, je vais être force de l'ordre !» C'est bien. Ah, c'est bien. On sait que tu vas finir au fin fond de la sup à braquer Ginette. Il y en a, c'est comme ça. Mais vraiment, en plus, hein, c'est ça le pire. C'est que tu sais pertinemment qu'ils vont finir... Là, on en a vu un ce week-end. Ah, je vais aller postuler au BCSO. Ouais, d'accord. Va, hein. Va. Bah, déjà, essaye d'aligner deux mots corrects. Peut-être que tu seras écouté, en fait. C'est dommage, parce qu'aussi bien, ça peut être un très bon agent. Et quand le gars, il te dit, je suis un peu illettré, bah, t'écris comment tes PV, quoi. Avec le cul. Non, mais c'est con, hein, mais si t'as pas la base, t'as pas la base, quoi. Bon, si on va lui faire des mallettes, quand même, si tu veux tourner un peu tout à l'heure. C'est surtout ça, tu vois. Tu peux rencontrer... Enfin, en fait, tu rencontres des gens qui sont intéressants. Mais... Toi, tu as peut-être pas connu, toi, Scotch. Non. C'est une petite dame. Un bras anarchique. En soi, comme ça, ça un pourrait... Un bras ou un gros bras? Gros bras. En soi, si tu veux, ça pourrait être drôle. Sauf ouais. Que quand tu l'accueilles et que le premier truc qu'elle te dit, c'est « bonjour sous-fibre ». Ah oui, d'accord. Ça, il y a un moment... il faut aider cette personne, quoi, tu vois, c'est... Bonjour sous-fibre. Que tu la vois arriver, elle est en train de... Première chose qu'elle se fait, c'est qu'elle se torche une bouteille à côté de toi. Et dit là, déjà, ça va être compliqué, quoi. Tu vois. Ah oui, d'accord, on est à ce niveau-là. Ah ouais. Après, en soi, bon, je l'ai vu très bien. Je vais poser ma bouffe. Ah, bien sûr. En soi, si tu veux, la personne ne semblait pas plus, pas plus méchante que ça. Mais genre, on la contrarie un petit peu avec une sécu avec Lee. Alors bon, ouais. Quand t'emmerdes le président de l'ENA Attends, excuse-moi, ma puce. Allô? Oui? Putain, c'était rapide. Ok. Ouh, ça demande la réflexion, ça. Ouh là 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 là, le dilemme. Oh, la meuleuse, ça existe, hein. Bah mais ça marche. Bah... Ouais. Sans s'en prévenir, tu peux être licencié pour abandon de poste. D'accord, ok. Okay. Après, par exemple, si tu sais que demain t'es pas là, tu peux le marquer. Hein. Oui, voilà. Qu'on s'inquiète, qu'on doit y pas. Bon, moi j'ai une S2 Cabrio pour 212 000. 900 ? Voilà. Ils avaient les deux. Bon, bah très bien. Ils avaient la S2 Cabrio pour 212 000 et la S2 pour 187 000. Pas un gros écart. Non. Pour 30 000 balles d'écart, je trouve pas ça. Bah, tant mieux. Hein. Ah bah, j'irai la chercher après le boulot, je pense. Moi, bon, du coup, tu me disais là, l'autre.
Ouais, donc on est en train de faire un truc de Darnell en sécu. Ouais. Et la petite dame se présente, commence à foutre le bordel. Alors déjà, elle a mal parlé à Lee, c'est quand même le président de l'ENA, et que je crois qu'il l'avait accueilli un petit peu. Nous, elle nous avait, enfin, nous avait fait chier un petit peu du côté de la fondation, j'étais pas encore président à l'époque. Donc je lui dis, fais gaffe, cette personne, elle est un peu particulière. Et donc Ah. commence à foutre le. Enfin. Donc c'était il y a un défilé et tout. Et donc on demande aux personnes qui sont invitées de se présenter sur scène pour défiler tout ça. Tu vois pas qu'elle commence à se déshabiller sur scène. Oh Donc la bonne. ben forcément Darnell nous demande de la virer. Donc on la sort. Alors, avec de l'esclandre, etc. À l'époque, il y avait Phil Ray qui était chef d'équipe, qui était avec nous. Bon, lui en civil. Donc on s'est mis à trois pour la sortir. Ouais. La petite dame pas contente, elle était venue avec un camping-car, commence à défoncer toutes les voitures qui étaient sur le parking, parce que pas contente. Oh putain. Donc tu dis, bon, bah, elle a fait la con, mais bon, voilà, pas de souci. Et tu vois pas que 5 minutes après, on l'a retrouvée au milieu de la foule. En fait, elle avait fait tout le tour, et on était au Sisyphus Theater. Elle a fait tout le tour de la colline pour revenir à pied et se poser au milieu des gens. Nickel. Et quand je vais la voir, elle dit, excusez-moi, madame, on vous a déjà sorti une fois. On vous demande c'est pas pour que vous reveniez. Excuse-moi, est-ce que tu peux te dégager de là? Je vois pas ce qui se passe sur scène. J'ai hésité à sortir le 9 et à lui mettre une balle. Hein. Vraiment. Oh non, de Dieu. Tu as mis un coup de taser, j'espère. Ah, pas le droit. Oh merde. Bon, Mais t'aurais t'as. préféré lui mettre t'aurais préféré lui mettre une balle avec un œuf plutôt qu'un coup Ah oui, clairement. de taser. Ouais, quitte à pas avoir le GPS droit, et autant le faire jusqu'au bout. C'est ça. téléphone. D'accord. Ok. Ok. Ok, y a pas de soucis. Voilà, on te laisse lire ça tranquillo. Bon, on est bon là, non? Il y a 500 mallettes. Ben, il en faut 600, si eux, ils vont tourner à 300 en formation. Ils vont y aller Ah à oui. 3. Mais t'es sûr qu'ils vont le lire, ils vont le faire maintenant parce qu'ils ont dit on va te laisser lire ça. Ben, ils vont peut-être le faire lire un petit peu, mais s'ils sont partis, ils peuvent le former ce soir. Hein. Il y a tout qui est prêt. Alors. Ok. À moins qu'ils soient obligés de se coucher un peu tôt, pour raison X ou Y. Ou qu'il y ait des trucs de prévu, dans l'idée. Attends, parce que du coup, on peut faire quelle tournée, nous? Parce qu'à part la place des cubes, il n'y a pas de banque rouge. Ah Ah si, il y a si, à 71, l'apéro. ouais, il y a C'est bon. 71-75. Ouais. Carré, ça. Donc c'est pour ça. Autant dire que tu vois, quand t'as des individus comme ça. Enfin, quand t'es spectateur, tu vois, et que tu vois que ça emmerde les autres, ça te fait sourire. Quand c'est toi et que ça revient tout le temps sur toi, Ouais. je peux t'assurer que le holster, t'as envie de l'ouvrir et puis de sortir ce qu'il y a dedans, quoi. Ça se comprend, ça se comprend. Et la personne, je crois, 4 jours plus tard, 4-5 jours plus tard, elle était recherchée et elle a fait du pénitencier, quoi. Nickel. Ah, bah Si quoi voilà. que ce soit, tu nous appelles, Guy. On va faire On est la... avec vous, messieurs. Attends, Ça faut qu'on en marche. rajoute un petit peu, parce Il y a un qu'on est connard en à... plus qui vient. Bon, un connard. Il faut 600, quoi. Bon, ça va, il manque 50 mallettes. C'est qui le connard, chef? C'est moi. Ah mais non, vous êtes chef, chef. Arrête, Guy, il a appelé Lee patron, alors. Oui. Ah. Oui. Ah, le sol est frais. Mmh. Il est très frais, le sol. Mmh. Non, Pardon, ça... si vous êtes à deux, faire les mains, je vais commencer à charger. Ça, c'est non, ça... C'est pas une bonne J'ai idée, aidé à ça. charger. Ça marche.
Voilà, on reste au sol. C'est bien le sol. J'adore cette mécanique. Ça, ça fait planer. Tu tombes au sol. En fait, le personnage s'est relevé tout seul. Et t'as fini de prendre les manettes. Hop, tu t'effondres. Tu te remets en position. C'est n'importe quoi, mais alors, j'adore. Rico? Ouais. Avant de partir en tournée, il faudrait peut-être être sûr que personne ne soit dispo pour faire un transfert. Mais ils vont pas en format. On est que 3. Ouais. Bah, il y a peut-être un quatrième qui peut se rajouter. Alors, il m'a dit qu'il était dispo jusqu'à 21h30. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai mis. Ah, 21h30. Pour la ferme, c'était l'info que j'avais eue, en tout cas. Ok. Il y a peut-être le yellow. J'ai pas essayé, je t'avoue. On peut essayer de voir si quelqu'un est dispo pour un transfert. Si quelqu'un est dispo, ça sert à rien qu'on charge le camion. Oui, oui, c'est sûr. On peut demander. Tu demandes, au moins tu auras le cœur net. Attends, avant de charger, c'est plus. Soyons sûrs qu'il n'y a personne qui soit dispo pour un transfert. Non, manque 60. Je mets 40 sur moi. Après, Liam est en congé. Yorick, il a pris sa soirée, je pense. Aucune idée. Ah non, il y a Tara qui est en. Ah, mais Tara. Tara, elle est avec Guy, la bande, je pense. D'accord. Et il resterait Joe. Bah, Charles et Clément, on peut les compter, donc il resterait Joe. Il reste Bébou, Yorick et Joe. Bon, il est possible que Tara se libère, hein, on ne sait jamais. Ça, je n'ai pas pensé à Tara. À moins qu'elle fasse le. Je crois qu'elle fait le garde avec Guy. Je pense. Hein. C'est possible. Pour te dire, elle nous a même pas dit, elle va juste passer à côté de nous. Salut, hop, je m'en vais. En tenue avec le balleur. Bon. Oh, c'était un carnage. La tournée avec. Avec Badger. C'est quelque chose, hein. J'ai raté ça, c'est vrai. Les tournées Badger, c'est quelque chose. Ouais, avec Yorick là, on était mort de rire. Ah, mais c'est un autre monde. Hein. Enfin, heureusement qu'il s'est pas passé une couille par contre, hein, mais on était mort de là. Le pire, c'est les transferts avec Badger. Bah, franchement, j'ai déjà fait. J'avais les deux patrons dans le camion et c'est moi qui conduisais le camion. Ah, il a été deux patrons et Max. J'ai trouvé ça pire que. Enfin, j'ai trouvé ça la tournée pire que le truc là. Hein. On a déjà eu un Badger qui faisait charger client et conducteur qui l'ont en même temps. Stylé ça. Mais on avait mis le. Je suis pas sûr. Si, parce qu'il court avec le client. Ouais, non mais. Niveau sécurité, c'est. Bon, la personne qui répond, on est à plancheur. Bon, ok. Là, c'est parti. Bah, t'as 20. Je pense que t'auras, elle doit être. J'ai 40 sur moi. Bah, me prends 20. T'en as 40 bah, j'en prends 20. J'en prends 20. Bon, ok. Attends, je vais prendre. Églou. Putain, c'est rare, faut prendre un GPP, ça. J'avais oublié ce détail. Ça peut servir. Mais non. Il paraît, hein. Tu sais que je trouve vraiment que de manger sa salade comme ça devant quelqu'un, c'est un manque de respect, genre ça me fume de là. Oui, bonjour. Bon, fin de soirée. Bah merci beaucoup.
Il dit jamais au revoir ce connard. Hein. C'était. Je sais pas de qui il parle, mais. Ouais, je lui demanderai parce que je connais quand même un peu ceux du. Alors, moins les derniers arrivés, mais. Est-ce que t'as demandé au gars qui faisait la tournée de format quelle banque il préférait pour la format? Attends, j'ai une question. On ferait pas Centre Plus et on ferait pas Del Perro et Place des Cubes? Ah ouais? Après, on donne quoi les 100 au. On donne les 100 supplémentaires au nouveau? Tu vois, collègues, s'ils veulent les 100, tu les partages en deux. Ouais, voilà. On peut faire aussi. On va demander. Demander. Ça en enchaîne, tu vois. Ça nous évite de revenir ici pour faire 100 mallettes si jamais. Bon, nous, on peut lui donner des mallettes, j'aurais déjà 300 gratuites. Pas déconner. Gentil, mais pas trop. Liva ? Ah ouais. Li ? Bah attends, tard. Mais il y a Jeffrey qui est là. Dis voir Jeffrey, ça te dit 50 mallettes en plus? Bah, peu importe, m'en fous, ouais. Parce que là, on va se faire une tournée à 300, aussi bien on la fait à 400, puis on partage entre Lee et toi les mallettes. Les 100 en plus. Et je crois que j'ai fait bugger Jeffrey. Ouais. Reset pour voir. Ouais. Reset derrière. Ouais. Erreur 404. J'ai fait planter. Attends. Ouais, erreur 404. Oui, bah partez à je sais pas. Notre round. Partez à je sais pas. vous pouvez pas là, vous vouliez partir à 300? Non, pas 400. Ouais, et les 5 qui restent, on vous les donne chacun. Ça fera 50. Bah comme vous voulez les gars. Ouais, 50 par tête. Ouais, bah... comme ça on fait Del Perro et Place des Cubes et ça nous évite à la rigueur de revenir en faire 100 ici entre les deux quoi. Vous voulez faire 400 c'est ça? Ouais. Ouais. Et ben bah, prenez-les vous avec Geoffrey, moi j'en prends pas. Ah ok. Oh, bon, ça fait 400 hein, on est d'accord hein. Ça ouais, fait 100, 100, 100. Ouais, 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 ça fait 100, 100. Pour Jeff. Hein bah, faut qu'on fait... Oui, ça fera 100, 100, 100. Oui, 100, 100, 100. On va chercher. Ok. Alikos. Il va chercher. Lycos va chercher. T'es tout courant qu'on est tous les trois en bas avec le camion vert hein. Ah, c'est mais moi j'ai entendu dire que. Apparemment ils sont branlés que le camion soit ouvert en haut. Bah, pas moi. Sur le principe, normalement il doit être fermé quoi. Le camion, si t'es pas à côté, il doit toujours être fermé. Moi j'ai envie de chier. Philosophique aussi. C'est la première fois que je vois un caracara stylé. Je suis quand même bien. Mais il est noir quoi. Non mais j'aime bien le genre le capot, la calandre et l'arrière là. Mais il fait agressif comme ça. Ouais voilà c'est ça. Alors que quand je vois des caracara. Ah oh, bah t'as toutes les couleurs. Hein. Les goûts et les couleurs ça se discute pas. C'est des caracara, c'est la gay pride quoi. T'as quoi contre les gays? Absolument rien. Ils sont colorés, c'est tout. J'ai 40 sur moi, je les emmène. J'ai trouvé pas dire le... Vous pouvez pas dire le contraire. Non, non, ça c'est pas le nôtre. Moi, j'ai pris 20. Okay, j'ai pris 20. Ça marche. On se moque pas de mon 20, je vous permets pas. On se moque pas. Allez-y, c'est moi qui conduis. On le constate. Je dis pas 20, parce que. Enfin, pour moi, c'est le 20, je le bois, donc c'est 20. Mais pourquoi ça ah, oui, parce que j'essaie de prendre la totalité. C'est un peu compliqué. Ouais. Et si tu pouvais peut-être piquer dans le camion voisin, s'il te plaît. Non, j'ai piqué dans le bon camion. Je vois bien Rico en train de piquer dans le camion de droite pour remettre dans celui de gauche. Ça a déjà été fait. Mais pourquoi on n'est pas à 400? Ça a déjà été fait. J'ai déjà fait la blague, je crois. Jeffrey, il est plus là. Non, bonsoir. Quoi. On est avec quel camion, pardon? Depuis, avec Grizzly. Je vais lui dire qu'il mette la radio de tourner dessus. Ok. Tu vas envoyer un message? Je l'ai pris. Tu as récupéré du dispatch Je suis en Et l'appel Je vais avoir un petit message à chaque fois.
Depuis que j'ai découvert qu'il prenait 155 ce camion, je prends celui-là. Okay. D'apéro en premier, du coup. Hein. Vous n'oublierez pas de mettre la radio de tournée dans le. Ah, pardon, je l'ai appelé. Non, c'est juste pour le dire, vous n'oubliez pas. Ça marche. S'il se passe quoi que ce soit, tu nous appelles. Putain, je veux bien un Geoffrey appeler au secours en plein milieu du truc. Il est capable. Oh merde. Oh là. Oh le vilain. Bon allez, je te laisse. Courage. Courage, force et honneur. Un message fait. Mais ça marche. Lee qui m'envoie, on est sur la radio tournée si jamais. Un test radio ? Non mais ils l'ont mise, bah c'est pas suffisant. Ah bah j'ai répondu à Lee pour votre information, merci mon bon patron. Vu que Guy l'appelle patron. Oula. T'es sûr que tu veux conduire avec des mots de crâne pareil ? Bah j'ai rien vu là. Ah moi j'ai rien vu. Ah moi ouais, j'ai bien vu ouais. Bah c'est juste toi du coup si Kenneth a rien vu. C'est clair derrière. Je suis d'accord que j'ai des mots de crâne des fois mais. J'ai rien vu du tout moi. Bon c'est clair pour l'instant. Ah ouais. Ça se voit tu nous as vu nous téléporter toi. C'est clair. C'est clair ouais en plus. C'est tout clair. It is tout clair. Est-ce que t'as vu quoi, Rico? Bah, on comprenait pas trop le virage, mais sinon ah ouais. Ça. Nickel. Ouais, je suis en pleine forme. Ouais. T'es au taser. T'es au taser surtout. Non, je suis pas au taser. Si, si. Bah, si. Bah, non. Bonsoir, c'est groupe 6. Voilà. Et bonsoir. C'est pas vrai. Je suis pas au taser. Comptoir clear. Bien pris. Je suis pas au taser, c'est pas vrai. Coffre clair, messieurs. Bien pris. On va faire attention un peu ce qu'on fait à toi. Oui. Hein 700$. Bien pris. Je suis pas au taser, il m'a dit. Putain, j'allais dire un truc, mais ça va encore se retrouver dans les choses hors contexte de G6. Ah, tu peux toujours dire, on verra. Vas-y, je t'en prie. J'allais dire, je sens le souffle de Kenneth dans mon cou tellement il est proche. Moi, finalement, j'allais faire la tournée de cette formation. Mais tu sais que vraiment, par contre, quand il y avait Badger, au moment où il est rentré dans la banque, Yorick il a eu zéro réaction parce que je pense qu'il l'a pas vu et d'un coup il le voit. Il a bugué alors qu'on était place des cubes et du coup j'étais tout seul dehors. Oh putain. Je vais rentrer le numéro de Tara. Putain, j'ai frais. Feignant. Il m'a appelé pour savoir s'il avait fermé le camion. S'il était en haut pour savoir s'il avait fermé son camion. Quoi. Oh, il est long. Du coup, c'est la patronne, je suppose. C'est la femme du patron. C'est la femme du patron, donc c'est la patronne. Appelle la patronne. Mais par contre, si tu appelles patronne, t'as intérêt à revenir vite. Ah ouais? Ouais. Faut l'appeler chef, comme lui. Vas-y. Non, pourquoi elle aime pas? Bah, je sais pas, tu verras. Chaque jour, c'est surprise. Oh, c'est pas cool, les mecs. Alors, dis-moi juste quand je prépare le popcorn, c'est tout. Tu me préviens juste que je prenne le casque lourd, la mallette anti-balles et je me cache. Non, si tu veux lui faire plaisir, quand on est tous, non, réunis, pas... quand on est tous réunis, non. tu dis bonjour, messieurs. Tu sais que j'ai déjà fait, je l'ai fait.
le premier transfert que j'ai fait avec elle, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, mais genre j'ai juste dit un truc avec les gars, et parce que j'avais zappé qu'elle était là surtout. Par contre, on arrête de papoter, on travaille quand même. Bah quoi, on travaille, bah on a fini, oui, on sort. Bah tu sors et moi j'attends qu'il rentre. Ah ouais. C'est bon. Oui, c'est ton clear d'heure. Et c'est moi ou t'as pas dit je sors? Si, j'ai dit je sors. J'ai même pas entendu. Ah si, si, j'ai dit je sors par contre. J'ai bien la moitié. Ouais, bien sûr. J'avais déjà commencé. Gracias. Finalement, elle me convient pas de ta phrase, monsieur Sébastien. Pour ma réputation de chef d'équipe, on va encore dire que je suis un pipou, alors... Non, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit pipou, pour le coup. Non, mais on me trouve trop... Alors, non, ça... Pas assez chef d'équipe, alors. Alors, je suis désolé, mais ça a deux interprétations. C'est soit il a fait une connerie et il sait qu'il va se faire souffler dessus, tu vois, qu'il va prendre cher... Soit c'est plutôt érotique. Il y a une bromance quoi. je ne suis pas de ce bord. Je suis trop pipou. Parce que, après, bon, t'es pas si pipou que ça. Hein. Ah bah pour certains, si. Oh, bah, ça les regarde. Quoi. Faut qu'ils s'appellent à dire. Je suis pas assez chef d'équipe. Ouais, bah ça c'est leur problème ça. Et j'ai plus rien, je sors. S'ils pensent être meilleurs que les autres, je sors aussi. Et ils me foutent la porte dans la gueule. Ah, excuse-moi. Bon, ce soir, je vous préviens, je suis de droite. Hein. Et bah, moi, je passe à gauche. Ah, bah, clear, je vais faire le centriste, tout va bien. Clear dab. Clear arrière. Avant. Clear conducteur. C'est tout clear. Dis-moi quand c'est bon. C'est bon pour moi. C'est good. Et bah, allez. Bonsoir, c'est groupe 6. Bonsoir, groupe 6, c'est groupe 6. Ah, bonsoir. Bonsoir, groupe 6, c'est groupe 6, c'est groupe 6. Oh, quelle bande de cons, c'est groupe 6. Mais non. De toute façon, je les aime pas, groupe 6. Ouais, c'est des cowboys. Tu sais qu'une fois, on l'a entendu dire ça dans une sup. Ah, les groupes 6. Ah, je les aime pas. C'est vrai. On était à côté. Ah, c'est lui qui est vraiment con, du coup. Pour le coup. Ouais, wow, il a fait exprès. Je pense que c'était fait exprès. Non, ouais, mais il est quand même con. Ah, mais je peux t'assurer qu'il y en a qui jouent à ça. Hein. Vraiment. Malheureusement. Il y en a qui essaient de nous piquer un peu, c'est pour voir comment on réagit. Mais pourquoi faire? Juste pour prouver qu'on est des cow-boys. D'accord, ok. Après, ils s'attendent quoi? Qu'on rentre dans la sup et qu'on les pointe avec un flingue? C'est ça. D'accord, ok. Ouais. Ils ont rendu compte, les coucous. Hein. Il y en a un récemment qui a sorti. Surtout, allez pas les faire chier si vous voulez pas vous prendre un coup de fusil à pompe dans le cul. C'est vraiment ça qu'on pense de nous. Ah, mais tout le monde pense de nous qu'on est des cow-boys. Hein. Il y a de ça. C'est une dinguerie. Attends, mais pipou, regarde Kenneth. Tu sais que j'ai les pouvoirs de pouvoir te virer de l'entreprise. Oh, ça va, mais c'est toi qui le dis tout de suite, les grands mots. Mais quand c'est moi, j'ai le droit. Quand c'est toi, tu fermes la bouche. Monsieur, je sens un souffle d'air frais. Comment? Oh, mais là, ça marche pas, Rico. Il est pas derrière moi. Oh là, oh là, oh là. Je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière. Rico, ouais, regarde les casiers. Ça, c'est parce que tu cours pas assez vite, Sébastien. Hein, qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi. Hein. Ouais. 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 Ouais, hein. T'en peux même pas rester sérieux, quoi. Et
pourquoi faire? Bah, je sais pas, descends. Parce que tu travailles. Eh Manu, descends. Pourquoi faire? Désolé, Kenneth. Mais pourquoi faire? Ma mère, elle m'a dit, si tu descends, je te descends, alors je descends pas. Et on sort. Bien pris. On sort. Mais vas-y, Manu. Ben, je vais à gauche. Ah ouais, je suis à droite, de toute façon. Clear arrière. Clear passager. Clear conducteur. Et j'ai un mal de crâne. Attends, j'arrive, je vous sécurise. Avec celui-là, il a un mal de crâne. Ouais. Il parle, mais on n'entend plus rien. Bah, par contre, c'est pas une bonne idée que je vais mettre devant lui, moi. Non. Si il a un mal de crâne et qu'il a le doigt sur la queue de détente, ça, c'est la merde. C'est ça. Sébastien. Ouais. Ah, on va pas nous obliger à faire ça quand même. Monsieur Klopp. Et blablabla, mais on t'entend pas. T'es pas avec nous. Tu parles dans ta tête. Vilain. Ah bah. Ouais, mais c'est pour ça, ça va être retour des pots. C'est ce que je pensais. Le problème, c'est que s'il est là, il faut qu'on l'attende ici. Ah oui, mais on va l'attendre ici. Mais retour des pots. Bah, on monte dans le camion. Il ira se mettre dans la banque s'il faut. Je passe conducteur. Yep. Ouais, je laisse allumer pour l'instant, on sait jamais. Ça a besoin de dégager. Si j'étais toi, je reculerais un peu le camion. Celui qui était collé au camion, qui se prenne pas le camion en se relevant. Mmh. Est-ce que je fais un call aux autres besoin? Ou tu leur envoies un petit message? Je peux faire un call radio, hein, s'ils sont à la radio. Tourner un pour tourner deux. Apparemment, il serait là. Je vais l'appeler. Il est là dans la banque. Allez, dépêche-toi, on t'attend. Dans le camion, vite. C'est fermé. Retour des pots. Putain, c'est incroyable. Hein. J'oublie un tout petit réglage sur mon téléphone avant de sortir de la porte. Et du coup, il y a une couillette. Putain. Pas elle était pleine. Oui. Nickel. Vous avez fait le message du coup ou pas? Non. Ouais, je te laisse le faire. Ouais, on t'attendait pour savoir s'il fallait qu'on retourne tout de suite au dépôt. Là, la phrase que je viens de dire, sortir de son contexte, ça peut être dégueulasse aussi. Le L était pleine. Ouais. Ah, on parle d'une vache, bien sûr. Ouais. C'est pas gentil ça. C'est pas parce qu'elle est grosse qu'il faut dire ça. Ah, tu sais ce que ça veut dire quand une vache elle est pleine? C'est qu'elle est enceinte. Bah, pas qu'une vache, du coup. Ça se dit surtout sur les animaux. Si tu vois une femme dans la rue, tu lui dis qu'elle est pleine, elle va peut-être mal le prendre. Chance, quand même. Elle est pleine de quoi? Ça, c'est la question. Ah, mis du bon goût, bonsoir, quoi. C'est quand même le mec qui a une particule qui est obligé de lui expliquer ce que c'est quand un animal il est plein, quoi. Alors. Non. Putain, Rico, tu l'as vraiment mise la phrase en plus. Ah, il l'a mise. Non. Mais de toute façon, s'il la mettait pas, c'était moi qui la mettais. Donc. Ils vont vraiment prendre pour un mec chelou. Bah, non. Tu es chelou. Tu es chelou. Entre ça et le truc que t'avais dit à Yorick. Tourner deux pour tourner un. Retour des pots.
Ah non, je t'arrête pas, on a des mallettes. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Non ? Tu as raison, excuse-moi. Ils sont là en plus. Et puis il y a le patron. Il va changer, hein, il reprend des mallettes et on y retourne, toi aussi. Hein. Ouais, bah on va reprendre le camion. Hein. Je dis bonjour à Guy quand même. Aïe. T'as pu lui dire bonjour quand même. Ouais, 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 il était pressé tout à l'heure. Non, moi je monte derrière, hein. J'ai pas devant. Hein. Ah, bon bah. Ça marche, papy. Quelqu'un pourra faire le message précédent qu'on a fini la première banque, moi la deuxième. Normalement, Sébastien a fait le message pour dire qu'on avait fini la première. Ouais. Okay. Tu fais pour la deuxième, Sébastien? Ouais, ouais. De toute façon, je leur avais fait un message indiquant tout notre parcours, mais. Si jamais ils ont oublié, vaut mieux répéter. Excusez-moi. Le message fait. Bien pris. Ça marche, merci. C'est clair dans une petite ruelle, c'est clair dans l'autre. Je vois rien sur le parking. Rien au niveau de Pôle emploi. Rien sur le parking. Une voiture avec une personne voiture à côté. Avec une personne. Ah, j'ai pas vu. Les nobus, c'est la. Comme d'hab, c'est la même. La IGT on fait un tour. Camo. Yep. On va vérifier. Elle était garée la dernière fois. Ils étaient un ou deux, j'ai pas fait bien attention. Je crois qu'il y avait une femme. Il y avait un mec en blanc. Deux personnes. Un mec en blanc en tout cas. Et l'autre est en bleu et noir. Ok. Donc il y a bien deux personnes. Que fait ton chef? Bon, on y va quand même. Ouais, c'est une femme. Ouais, deux personnes, c'est bien ça. Ils sont au niveau du garage, donc ils ont dû la sortir du garage. Ok, bien pris. Oui, oui, puis je te dis, c'est pas la première fois qu'on la voit là. Bon, mais ils sont pas agressifs et. Et puis à terre. Allez, j'y vais en première. Bonsoir, c'est groupe 6. Comptoir. Bien pris. Et clair coffre. Bien pris. Et bien pris. On est à 8002. Ok. Bah, il nous en restait. Ah bah évidemment, j'ai fait le max. Bah oui, bah forcément. Il nous en restera une dans les. Putain. Dans les pattes. Bah je sors du coup. Tu sais, il prend ma place. J'y vais. Évidemment. Je vais instaurer des tours de quartier pour se coubler. Ouais, j'ai eu un mal de crâne, ça va. Tout de suite. Comment ça cherche des excuses? Ouais. C'est monté dans la IGT. Et après? Ça part du parking. Ah, ça passe par la ruelle. Et je l'ai entendu dire oula quand il m'a vu. Il a fait demi-tour du coup, il ressort okay. Par le parking normal. Oh, la réaction bien. C'est leur apprendra à sortir par le côté du parking. C'est une ruelle piétonne. Bah... C'est qu'une fois, il y en a un qui sortait là en moto, Max, il l'a directement. Il est venu, il l'a pointé. Ah ouais? Oui. En même temps, il a des couilles, hein, parce que la verrouille, elle est petite et il y a des poubelles et tout en travers. Là. Mmh. Véhicule du Oiseau qui passe. Yep, elle part direction PT. Véhicule blanc et rose très rapide qui passe direction sud. Bien pris.
Et la Weaselet a continué direction Darnell. Ok. Non, je crois que le pire que j'ai eu à cette banque, c'est quelqu'un que j'étais en train de surveiller place des cubes parce qu'il y avait du bordel. Et je tourne juste la tête et j'ai un gars qui était contre moi. Contre toi? Ouais. T'as senti son souffle dans ton cou? Non. Ah. Mais son regard, oui. Le pire que j'ai eu, c'était sur l'empissage ici. On a attendu des bruits d'échelle et pas pendant tout le transfert. Enfin, pendant tout le l'empissage. Et qu'on a vu après arriver l'ambulance. Ouais, on a vu une ambulance, on a entendu des motos, enfin c'était... Il y a une voiture qui arrive fort du PDP. Je vois pas ce que c'est de loin là. J'aurais dû une shafter grise qui passe direction ouest. Mais j'ai un doute sur le fait que ce soit une shafter. Celle qui passait devant toi là, devant nous. Ouais. Du tout c'était une Taligator. Taligator. Et je sors. Bien pris. Et du coup, ce qui est sorti rapide, qui est parti d'urgence, c'était une 8F. Je suis à la porte. Vas-y. Deux véhicules qui arrivent fort sur nous. Deux Camacho. Ouais. Noir, étoile blanche sur la porte. Non, c'est bleu. C'est bleu. C'est bleu nuit. Ouais. Et véhicule rouge. Deux véhicules rouges direction sud. Depuis Elgin Avenue. Merci. Camachon tourné direction auto-école. Merci. Alors là, de dire que j'avais deux fois deux convois. Pas tout entendu, c'est le rico. Je sous-entends rien. On passe porter l'œil. Non, en ce moment, je me dis que des fois, je devrais jouer une pièce. Ça pourrait me rapporter gros. Pile, c'est des connards, face et détruire. Non. Pile, je perds, face, je gagne pas. Quelle est ça? Une comète saf noire et blanche qui part direction à l'école. Bon courage okay. Pour le permis. Qui venait des urgences du LSS. Il y a un permis qui vient de passer. Oui. Nah. Petite liste orange là. J'entends un camion qui recule et qui a l'air de défoncer soit son camion, soit un autre véhicule. Ouais, j'entends aussi. Ouais. Je suis vite, je sors. Bien pris. Bien pris. Mais du coup, on est clear UL. Un clear arrière. Clear avant. Clear conducteur. Clear conducteur. Clear. Et bien pris. Ah, c'était censé être à moi d'ouvrir. Ah putain, oui. Oui. C'est good. C'est bon pour moi. Bah oui, je te laisse fermer du coup. Oui. Mais j'y vais.
voiture full noire. Voiture full noire qui passe. Il s'est arrêté au carrefour, fait un bon drift, direction l'SES. Pris. Camion d'Ornel en approche. Ok. Il part direction d'Ornel. Véhicule rouge orangé direction est et véhicule noir bas blanc direction LSES. Véhicule rouge orangé s'arrête à ma droite au niveau du porche du bâtiment. Bien pris. C'est vu. Je suis à la porte, monsieur. Je suis là. Je vois pas au niveau de la de mouvement au niveau de la voiture rouge orangé. Ok. Une Turismo rouge et or qui passe, ouais. Ralenti, direction LSPD. On appelle LSPD, vient d'être pris. Ok, bien pris. Il y a un Tupstan noir qui était garé devant derrière le véhicule rouge orangé. Okay, c'est un de nos concitoyens ou pas. Tenez moto. Moto direction LSP. Bien pris. Et la voiture rouge orangé n'est plus là. Bien pris. Ah, c'est bien pris. Savoir que les garages pour ces appartements est en cœur d'îlot. Ils sont où? En cœur d'îlot. Peut-être faut passer par les ruelles et tu vas au centre. Ouais, ouais, mais là ils étaient garés devant le porche du bâtiment. Mmh. Ouais, les cours sont à l'intérieur de la mare. Ouais, c'est ça. Comme un peu comme là derrière au final. Hélico, putain, j'arrive pas à lire. Je dirais l'SPD qui passe au-dessus de nous. Non, ça dépend, couleur bleue ou couleur verte. Il me semble qu'il était bleu, mais il était assez haut donc. Ok. Ça part direction ouest. Direction quartier de gang, quoi. Ah, mais non, plein ouest. Non, non, ouest, ouest. J'ai entendu du gros drift. Oui, c'est une shafter qui a tourné sur la droite, direction ouest. Non, je sais pas, la shafter est. Il y a une vaca banalisée qui passe. Ouais, rouge. Direction PDP.
Ouais, je sors. Je la porte. J'arrive. Pardon. Pas de souci. J'ai glissé le long du mur, c'était... Smooth. Le véhicule orange a essayé de faire une marche arrière, de se garer, puis finalement il vient de changer de direction et est parti okay. Du côté la petite rue entre les deux bâtiments qui mènent au parking orange. Ok. Parking jaune. Ok. Ils sont arrivés devant, ils ont fait une petite marche, ils sont passés là-bas. Pour votre info, il n'y avait personne du tout qui était dispo pour ce que vous savez. D'accord. Okay. Véhicule se représente. Passe devant la banque. Ok. Ça part ouest, en plein ouest. Et c'est bien la couleur des Fox. De là à dire que c'est un Fox. C'était une Dominator GTX. Ça fait 10 minutes que je cherche le nom du modèle. T'auras beau me dire que c'est ça ou ça, pour moi c'est une voiture orange. Hein. Oui. C'est encore elle. Oh non. Ah, ah ça c'est Bénis. Ah ça faisait ça peut pas le même bruit que la GTX. Oh vraiment pas. Ah si. Moi je trouve pas. Au moins une CP avec deux gyros quelque part pendant la place des cubes. Okay. Et c'est parti au loin parce que j'entends plus. Véhicule rapide, on dirait un 4x4 type Rebla ou tout comme ça, qui passe vers le nord. Un vert kaki gris, tout comme ça. Après. Et je crois que je le vois de l'autre côté de la place des cubes. Et ok, le Speedy qui part vers l'ouest, c'est bien pris. Il me reste 3. Bien pris. Je sors, messieurs. Ah, on sécurise. ARUL clear, avant clear. Clear arrière. Conducteur clear. Conducteur clear, c'est tout clear, Kenneth. Okay. Moyen de mettre ça dans la dab. Non. Ouais, enfin, tu peux essayer, mais. Ouais, ah, oula, convoi de voiture noire et blanche. Une voiture blanche suivie par une voiture noire. Non, il y avait une autre voiture noire devant la même que celle de derrière. Noire. Ouais. On y va? Bon. On ira les mettre un peu après. Je regarde ce qui est disponible. Je fais le message. Il y a un orange ouais, derrière nous. Vu. Derrière, tu dis? Derrière nous, parce que devant, c'est le Speedy. Non, non, faut il... faire un message. Sinon, j'allais faire celui à la banque. Comme je le sens. On va faire sûr. C'est toi qui conduis. Je t'avoue que je suis moyen fan d'aller vers l'endroit où il y a trois bagnoles, deux bagnoles qui conduisent comme des cons qui vont. Vous continuez après. Et appelle les Speedy Prix. Bien pris. Il y aura quoi à faire, surtout. Je sais 4, pas. Je crois. Mais il y a des petits bouts d'endroits à faire, je crois. Il y a la grid, je crois, qui est pas mal. Mmh. Et bon, ça fait 4. Ouais, 4. Yep. J'entends un hélico. Ouais, c'est clair dans la ruelle. Mais j'entends. Il y a Natorat. Je le vois pas. Il est passé de l'autre côté de la prise, ouais, je crois. Je l'entends plus. Et je suis vide, messieurs. Ok. C'est bien pris. Tout le monde a les poches vides, le camion est vide. Ouais. C'est bon. C'est clair conducteur. Éclair arrière. Ok, c'est tout prêt. Re
encore des premiers du coup. Annonce radio, on sait jamais. Camion pour camion 2, nous faisons un retour dépôt. Ah bah il y a... Ah oui, qui est passé en orange. Ah mais elle était rouge tout à l'heure. Mais elle est orange. C'est PMR, non. C'est PMR qui est rouge. Ah oh, pardon. Pour leur laisser PMR. Hein. Ouais. Je sais même pas s'ils sont partis encore. C'est pas sûr. Pas l'impression. S'ils sont pas partis, je partirai avec eux. Ok. Je laisserai tous les deux tourner s'il faut. Welcome home. J'ai rentré mes mallettes, moi, perso. Je le ferai après. Oh, c'est synchro. Tourelle d'autodéfense activée. Kenneth d'autodéfense activée. Il manque ton arme, Kenneth. Oui, mais je vais pas sortir mon arme alors qu'il y a rien à sécuriser. Même pas ça. Sécuriser un Rico sans défense. Tu sécurises ta vie, Kenneth. Tu sécurises ta vie. Oui. Même pas, il sécurise Rico. Super. Il y a troisième personne, t'as dit. Bah ouais. 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 Ouais, c'est bien. Quel sup. Vous avez mis les sacs à Ali? Non, j'ai rien mis. Mais c'était à Jeffrey qu'il fallait les mettre, non pas Ali. Oui, c'était Jeff. Jeffrey, pardon, ouais. Et moi, faut que je me rentre mes mallettes. Je rentre les miennes déjà. Par contre, je sais pas s'il y aura assez pour faire 300 en vrai. Bah, allez-y. Non, mais je suis en train de me dire que vu la journée que j'ai eue. Et des fois, prendre soin de moi, c'est bien aussi. T'as rentré celle de lit ou pas? J'ai rien rentré pour l'instant, j'ai même pas rentré les miens. Je rentre celle de lit. Ok, bien pris. Tu veux tourner Kenneth sinon du coup c'est... Non, c'est pas lit, c'est Jeff. Jeff. Ouais, je vais tourner. Ok, attends. Bon, il y a au moins 100 dans un week, je pense. Et... Je confirme, ils sont à PMR. Ouais, il y a 100 avec la gravité et le corte. Donc on va faire une suite 4. Ouais, et ah oui, en premier. Je vous aide à faire les manettes. Vous nous remettez au dépôt sur les spots, si c'est possible. Ouais, je fais. Et pour info, Rico, levé de l'état d'urgence. Ok, je viens de voir ça. Sinon, pour moi, comme souvent, je suis pas là demain soir. Et je serai pas là de vendredi à dimanche dans la journée. Ok. Et... Pour ça que je fais pas trop de mallettes, parce que c'est pas dit que si je fais pas mes transferts, en fait, j'aurai pas mon quota de toute façon. Au pire, si t'as ton quota transfert, on t'en fiera des manettes. Ouais, mais on verra ce moment-là. Pas de problème. Puis si tu manques un transfert, on peut toujours s'arranger. Je le sais. Si tu fais de la lire, moi si on est déjà à mon quota, je peux en filer un à quelqu'un. Ça se fait.
Après, t'as fait ceux de ce soir? Non, je n'ai fait aucun. Ah, d'accord, ok. Non, les lundis, c'est compliqué d'arriver pour 17h. Enfin, 17h30. Et pareil pour les mercredis. Il y a les jours comme ça. Ouais, tranquille. Il revient finalement. En gros, le plus compliqué, c'est si j'ai pas mon week-end, en fait, c'est rare que j'arrive à faire mon quota. Si je suis pas là le week-end. Il faut que c'est l'inverse. Il faut que je l'ai fait avant le week-end, parce que je suis très rarement là. Bah, si regarde, j'arrive à 19h30 le lundi, mercredi, je suis pas là le mardi, parce que le jeudi. Je pense qu'on va avoir accès avec tout ça. Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Je reste un peu en ville. Ouais. J'ai besoin. Bonne soirée, du coup. Ouais, de toute façon, je serais pas. T'as fou, j'ai cherché à manger à boire, ça serait pas mal. Je reste un peu en ville s'il y a besoin. Je peux décaler. Bon, s'il si y a besoin de vérifier quelque chose. De toute façon, au pire, je peux faire un petit tour de la grève, histoire de vous dire. Ah. À rigueur, ce sera peut-être pour un transfert quand ils auront fini les autres. Enfin, le. Je sais pas si ça. Ils vont finir tard. Hein. Ça va finir tard, le temps qu'ils finissent la tournée de format, qu'ils vaillent avec. Moi, je pense que je serai parti me coucher. Là ils viennent de. Si tu veux, ils viennent de finir PMR. Donc. S'ils ont fini PMR, ils ont fini. Hein. Non, ils ont fait aucun dab, aucune sup. Ils ont rien fait de. Ils ont commencé par la banque? Oui. Mais non. Bah si. Ah, c'est eux qui vont, hein. Ils ont le chef formateur avec eux. Hein. Mais un chef formateur qui a jamais fait tourner de formation, c'est compliqué. Allez, la bonne soirée, Eric. J'ai pas oublié quelque chose, moi. Ok, voilà, c'est bon.
Bon, on va aller faire un petit don du sang, histoire de. Et j'ai envie d'aller tester le skatepark qui est en 1003. Donc, ça peut être sympa. Et bonsoir. Eh bonsoir, ça serait pour un don du sang, s'il vous plaît. Comment vous appelez? Narvaez, Narvaez. Rico? C'est ça. Eh ben c'est parti. Après vous. Ça va, vous avez bien bu, bien mangé? Ouais. Il n'y a pas eu de consommateur d'alcool? Non. D'argent? Pas de relation avec le pays? Non plus. Parfait. C'est à gauche ou à droite? Bah, à gauche. C'est ma réponse. Vous avez des comptes ou ça va aller? Oh, le Jésus, je suis un habitué. Ça marche. Et ben, c'est parti. Le saut qui baisse, c'est normal, ça va se réguler. Vous voulez qu'on pense pas, hein? Un couleur chère, ça se changera d'habitude. Couleur chère, vous regardez deux petites heures. C'est pas des points à transporter une des meilleures. Et qu'est-ce que vous voulez? Un petit truc à manger à boire? Si vous avez un donut, je prends. Si vous avez pas, ce que vous avez en poche. Et voilà. Ouais, merci bien. Je note ça et je vous raccompagne. Bien sûr. C'est parti, je vais. Bien sûr, après vous. Merci à vous. Bah, c'est un plaisir. Quoi? Pardon, excusez-nous. Vous venez faire une visite, non? Bonne soirée, peut-être ça. Bonne soirée à vous aussi. Passe la tête, mes condoléances. Allez, on va aller faire un tour et on va aller voir en 1003. Voir si on peut aller s'entraîner au Halfpipe. On va voir ça. Weasel. Ah putain! Ah, et ça c'est pas mal ça! Ah, mais quel con! Ah, et forcément, si je lis mon téléphone, ça se passe beaucoup moins bien! Hein. Non, mais le boulet quoi! Ah 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 ah! Ça peut être pas mal! Bonsoir. Eh bonsoir. Ah, et bonsoir, excusez-moi. Je vous laisse me présenter un permis de conduire, hein, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Alors, hop, 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 permis de conduire, montrer. Monsieur Narvaez, hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok, bah, monsieur a son permis, je sais pas si vous voulez vérifier le véhicule. S'il vous plaît, monsieur, vous pourriez me donner votre pièce d'identité, je vous prie, pour faire votre quartier enchanté. Enchanté également. Voici. Et merci, monsieur Narvaez, c'est bien ça? C'est bien ça. Hein. Ah, Narvaez.
tac. Narvez. Je vous retrouve pas. Comment vous pouvez me appeler votre nom de famille? Parce que je crois que j'ai mal écrit. Pas de soucis. N-A-R-V-A-E-Z. R-V-A. Ah oui, c'est bon. J'avais mis un E en trop. Ah, ça, ça peut être gênant, en effet. Tu t'as fait. Je vois que vous n'avez pas payé vos impôts de ce, du mois de. Ah, mois si, d'août. Parce que j'ai même fait un mail. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Ok. C'est dans l'autre. Parce que j'avais fait une erreur en fait. J'ai validé à zéro, d'accord, alors que je voulais valider avec la totalité. D'accord. Ouais, donc je l'ai payé au LSS. Du coup, c'est pas le même. C'est pas le même fichier. Je vais choper par là. Hop. Première fois en 8 mois que je me plante. Décidément. Bah écoutez, ça arrive, hein. Ça arrive. C'est sûr. Hop, juste avoir besoin de payer une numérisation de votre véhicule. Bien sûr, fait. Hop. Et bah écoutez, tout est bon de notre côté, monsieur. Ah, pas de soucis. C'est bon. C'est un plaisir. Ouais. Je vous en prie. Bah écoutez, pour moi tout est bon, monsieur l'agent, tout est bon pour vous? C'est bon. Monsieur peut y aller. Hein. Ah ben ça marche. Passez une bonne soirée. Bonne patrouille. Au revoir. Au revoir. Non, faut forcément que je me fasse contrôler par par les forces de l'ordre quand c'est le mois où j'ai pas payé mes impôts, ce genre de choses quoi. Enfin que je les ai pas payés directement par l'intranet. Sinon, ça serait pas drôle. Ah zut. À 2 km/h près, je perdais des points. Oh, mais vraiment. Là, on voit que je suis fatigué, parce que je fais des erreurs de conduite qui sont vraiment grossières, quand même. C'est pour ça que je sais même pas si c'est une bonne idée de d'essayer de vouloir à tout prix vouloir faire du vélo. Il y en avait un deuxième là. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on passe au zombie car par contre parce que le véhicule est vraiment abîmé. J'ai du mal à monter à 196. Je pense que la VSR, elle a pris quelques claques. Ouais, parce que j'ai les portières qui sont même pas en place. Ouais, donc, ouais. J'ai le capot soulevé, j'ai pas les portières en place. Je pense qu'il va être temps de réparer le véhicule. C'est... Où qu'il y a le skatepark? Regardez dans le coin.
Par là-bas. Non, ça n'a pas l'air d'être par là. Et je vous avoue que j'ai pas envie d'aller voir les gens qui sont sur la plage là-bas. Ah ouais, non, mais c'est même pas là en fait. Bon, mais je sais pas où c'est. Moi, il me semblait que c'était pourtant à côté du zombie car, donc il n'y avait pas de raison que ça soit là-bas. Bizarre cette histoire. On va aller au zombie car, on va aller voir ça. Mais c'était peut-être que temporaire, hein. J'ai raté quelque chose sûrement. Après, est-ce que ça serait vraiment étonnant que je rate quelque chose? C'est pas dit, mais... Bon, faut que je fasse gaffe avec le BCSO dans le coin, on sait jamais. Bon, ça va, je suis pas tout à fait crevé quand même. J'arrive encore à avoir 2-3 réflexes. Et bonsoir. Et bonsoir. Ce serait pour une petite réparation, s'il vous plaît. Oui, je fais ça. Merci.
Le vieux encore de la vigueur, ouais. On dirait bien. On dirait bien. Mais mine de rien, j'y pense, mais avec le métier Pôle emploi qui est côté du zombicar, maintenant il va toujours être plein le motel là, à côté. Il y a plein de choix, petit tout. Bien sûr, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Et moi aussi. Et parfait, bonne soirée à vous. Petite question. Oui, dites-moi. Il y avait un. Vous aviez mis en place un parcours de VTT ou je ne sais plus quoi, du côté de 1003. C'était oui. Quand? Parce que... oh, c'était la semaine dernière. C'est toute la semaine dernière. Ouais, c'était toute la semaine dernière. Ça fait un petit moment, donc oui. On a arrêté dimanche là, ouais, donc hier. Ouais, d'accord, donc j'ai tout raté, c'est parfait. Ouais, ça marche. J'étais pas complètement fou, c'était bien là-bas, mais c'est juste que je l'ai loupé. Tout à fait, oui. Bon, eh ben ça marche. Merci à vous. Pas de soucis. Et la bonne soirée. Bonne soirée. Bon service. Merci, au revoir. Au revoir. Merci aussi. Au revoir. Bon, bah tout va bien en fait. Je me suis baladé dans le nord pour pas grand chose. Est-ce qu'il a été pris le message? Par contre, s'ils veulent faire le transfert, faut qu'ils le demandent tout de suite, parce que sinon, moi, je vais juste me coucher, quoi. Ça me manquait, tiens. Mais bon, 350 balles pour un point. C'est pas ce qui va me faire tanguer, quoi. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait tomber le prix des... des amendes en fait. Alors, peut-être pour que le gouvernement gagne moins, peut-être, mais j'avoue que je n'ai pas compris le principe.
Vraiment? Mais t'arrêtes pas au milieu! Je viens de la réparer, quoi, merde! Oh, ça fatigue. Allez, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je suis désolé, hein, le live a été assez court. Mais là, ça devient compliqué pour moi. Donc, je vais vous remercier déjà pour votre présence et votre participation. Demain, on fera un petit live sur Jack d'Alliance, pour le coup. Et prochain live sur GTA RP sera mercredi soir. Dans quel état je serai, je ne sais pas, mais on verra. Donc, sur ce, merci à vous. En tout cas, pour votre présence et votre participation. Et on se retrouve donc demain pour un nouveau live. D'ici là, portez-vous bien. Salut !